sais, je vais la Bourgogne une fois, mais vérifions le tout. Ah oui, d'accord, ils ont tous la même idée anatomique, quoi. Par contre, là, tu peux tenter de faire Rome. C'est vrai que j'ai jamais joué Rome, mais Ah, le sultanat de Rome, pas Rome. Oui, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Mais j'y ai jamais joué, en fait. Alors, les chevaliers, c'est l'air. Hein. Non, les chevaliers, par contre, j'ai déjà fait, j'ai déjà réussi à aller au Nouveau Monde et à nocéber le truc, là. Jusqu'à aller au Nouveau Monde, mais j'ai pas poursuivi parce que j'avais perdu une guerre contre l'Ottoman, je crois, et du coup, ça m'avait fait chier et j'avais la flemme de continuer. L'autre qu'on dit quoi. Moi, je pars du principe que quand je joue à U4, ou à n'importe quel jeu stratégique, je ne perds jamais. Et si je perds, je save scum pour que je gagne. Résultat, dans la plupart des jeux de stratégie que j'ai fait, hein, et que j'ai fini, j'ai perdu aucune bataille. Et aucune guerre. D'accord. Lorsque je joue en solo, du moins. En multijoueur, c'est une autre histoire. Ouais, voilà. On peut pas save scum. Oui, on s'en souvient. On s'en souvient. Mais oui, tant pis. Donc je ne sais pas quoi jouer entre l'Autriche, la Hollande et l'Angleterre. Ouais, mais vous avez de la chance. Truc sympa de jouer. Tu veux jouer l'Angleterre, Vernus? Ah, peut-être. Mais c'est pas de jouer la France, Happy, si je joue l'anglais. Bah ouais, je voulais peut-être jouer la France, je me dis, tu vois, mais... Tiens, Carthage, tu peux former Carthage avec Tunis, il me semble. De quoi? Tu peux former Carthage avec Tunis, il me semble, non? Non, tu peux former Andalousie. Ah, c'est pas avec Tunis que tu peux former Carthage? J'en sais rien, je sais même pas qu'on pouvait. Non, mais je crois même pas, je sais même pas, même pas s'il est dans le jeu. Ah ouais? Ah merde! Je crois pas qu'il est dans le jeu, Carthage. Non, mais oui, elle qui. Tu n'as pas en mémoire mes techniques obscures obtenues après des milliers d'heures de jeu pour casser la France avec l'anglais? T'en souviens pas? Non, il n'y a pas de... Il y a un achievement italien où tu dois piller Tunis à 100%. Mais du coup, je vais bien tester la Bourgogne. En vrai, mais je sais pas si tu as réussi à survivre parce qu'avec la France. Surtout avec Berlioz. Bah après Berlioz, il joue l'Angers qui me fait bocher, ça va. Non, c'est toi qui me fais bocher. En soi, je vais comme pas fermer la France. Je le fais donc, de toute façon, ouais, mais... ouais, non, je sais pas quoi. Non, mais après, moi quand je joue anglais, j'aime bien tout abandonner sur le continent. Pour faire une flotte, par contre, là, qui déchire, c'est drôle, ça j'aime beaucoup, ça c'est très marrant. Ouais. Ou alors la Hollande. Oui. Ah, je sais pas. Allez. Va falloir choisir. Tu vas jouer en Asie, malance. Ouais, DJ. Loin de nous. Bah non, il y a chef en ce temps, puis je me... Non, je regarde dans le tour. Dans le tour, ce que je pourrais faire. Je pense que je veux jouer Cusco, du coup. Je veux Cusco, là. Du coup, nous laisser les repères. Dès que tu te seras décidé, voilà. Je sais pas. Non, parce qu'en fait, c'est l'Autriche... En fait, je fais par rapport à l'Autriche en solo, c'est-à-dire que de 1444 jusqu'à 1550 à peu près, c'est une période de guerre continue. Donc je ne sais pas si j'ai le courage de le refaire. Ah non, mais avec Cusco, c'est pire, les 50 premières années, je crois. C'est guerre non-stop contre tous tes voisins. Si tu n'unifies pas l'And, si tu n'unifies pas l'And, et que tu vends pas les Incas avant 1500, t'es dans la merde contre les Européens. Et encore, je dis ça, mais il est arrivé une fois que j'ai formé les Incas tellement tôt que je suis arrivé, genre, en niveau technologie, j'étais plus avancé niveau technologie que les Européens eux-mêmes. J'avais une technologie que de plus que eux. J'avais les canons alors qu'eux, ils se battaient encore avec des mousquets. C'était ridicule. Ouais.
marche. Ok. Attendez, décidément, je pourrais pas jouer avec le français du coup. Tu joues peut-être la Suède. C'est ça. La Suède. Ouais. En vrai, j'hésitais à jouer quand même. On joue vitesse combien? Ouais, mais attends, on joue vitesse combien? 3. 3? Normalement, ouais. Ah, ça va être vachement long en fait, tout seul dans mon coin là, je vais devoir commenter toutes mes actions de merde. Vitesse 3, ça va être long. Bah attends, du coup je vais changer si on vit vitesse 3. Encore, parce que vitesse 3, quand les deux autres, il a que toi. Ouais, j'entends bien. On va mater les Italiens un petit peu. Je me demande si ça serait bien. On peut le Danois pire aussi. Danois assez galère en fait. Alors là c'est bien les Danois ou pas du tout? Bah c'est full naval hein. Ouais non mais je pense que c'est bien. Naval, les events sont un peu casse-couilles. Ouais. Au final. Surtout que t'as la Suède qui t'emmerde aussi. Oui, c'est vrai. La Suède c'est pire quand même. Elle est pas pour les Serbes. Ou alors. Allez. Ah, il y a la Bulgarie. Attends, la Bulgarie, c'est quoi ton idée? Ouais, non. Alors, ouais, je pense que entre jouer la Suède et la Danemark, peut-être que je joue plus. D'Albanie, tiens. Parce que sinon, ça va être une galère, à mon avis, la Danemark. Après, je pourrais jouer à Moscovie, mais ça fait très longtemps, mais... Quand vous voulez. Bah, je ne sais pas si je vais jouer l'Autriche. Je ne vais pas jouer l'Autriche. Je vais enlever ce pays de ma vue. Parce que j'ai envie de faire autre chose. C'est une bonne nouvelle pour vous, hein. Allez. Je rejouerai pas ma Florence la dernière fois. Ça peut être rigolo, ça, quand même. Hein. Parce que quand je vois Berlus qui joue à Florence, ça me rappelle. Non, j'ai pas choisi. Mais ça me rappelle ma petite Florence, tu vois. Ouais. C'était sympa. Je vois. Parce que en Italie aussi, c'est sympa quand même du tout. C'est compliqué, non? Je ne sais pas quoi tu peux dire là. Pour Venise. Tu vas bien me dire, je suis super chier si tu prends Venise. Oui, je vais te lâcher, oui, ça c'est ça. Ou Lübeck? Mais décidez-vous. Ah mais c'est dommage, j'aimais bien l'Angleterre. Mais on va prendre autre chose. Du coup. Par conséquent. Ouais. Je ne parle pas vers lui. Ah, va pour la Provence, allez! Allez! Allez, la Provence, hein, allez! Allez! Allez, coup pour la panie! Allez, Florence et Provence! Allez! Les fameuses! Les fameuses petites. Berlioz, c'est humaine? Ah, bah ouais, clairement!
Et en plus, moi, je me rappellerai toujours, oui, merveilleuse, qu'elles ont littéralement écrasé le français en plus, hein, dans la guerre des mines. C'était rigolo. Une belle petite tripotée de Provençaux et d'Italie. Voilà. Alors, niveau moulage, je comprends pas qu'on était dans le déficit, on est dans le déficit. Ah oui! Quoi? Pourquoi les. Ah putain, c'est les quoi? J'ai cru que c'était la Hollande. Attends, la France m'a pas mis en rival. C'est quoi ce bordel? Oh, alors. Monsieur... Elle a d'autres priorités. Monsieur le Provençal, moi je vous propose d'ores et déjà la voilà. Ouais. Grave. T'as combien de thunes, Berlioz? J'ai 45. Et pour 160, je te vends le même. 160. Ah, mais. Bah, c'est un peu les prix quand même. Les prix, je pourrais la vie après. Vous pouvez pas financer l'économie albanienne? Non, sérieux, que je voulais de la vie. C'est vrai, t'as pas de thune, toi. Oui. Oui, je suis même en négatif parce que vois-tu, toutes les personnes suivent la religion orthodoxe dans mon pays en fait. Ah putain, j'ai posé une loi, elle a été votée instant. Ah la petite. Moi je dis, Berlioz, tu vois, on avait réussi à avoir le commerce mondial et de faire la même chose. C'est vrai, j'avais oublié. Je te rappelle en faisant en sorte que notre nœud commercial soit le plus lucratif possible. Ah, mais clairement, je traînais tout. Là, mais non, mais on était en train d'arriver à deux comme des. Ouais, pour éviter que la manche gagne. Ouais, c'est ça. C'était absurde. Ah oui, c'était absurde. Mais c'était génial. Je suis prêt quand vous êtes prêt. Pas tout à fait, parce qu'il faut que je mette les gardes-côtes, hein, minimum. Si j'ai pas envie de me faire radier la gueule. Ouais, j'avoue, ça sert à rien. Comment les gardes-côtes d'ailleurs, en fait? Tu fais. Tu prends des bateaux, soit des galères, soit des navires marchands, tu fais protéger. Ouh, la Hongrie! Les pirates. Yes! Les pirates. Ah, d'accord, ok. Ok, bah, je vais faire ça là. Et là, tu te feras pas radier. Ah oui, pour chasser les pirates. Allez, en avant. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire raser mon petit nœud à Florence, ouais, mais ça sera un peu con. Oui, c'est sûr. Non, c'est pas ton nœud, c'est juste tes codes. Mais c'est tout aussi merdant. Ça sera notre futur nœud à tous les deux, de toute manière. Voilà, des bons généraux, pas besoin de prendre. En vrai, franchement, j'ai envie de refaire comme la dernière fois dans le nœud, juste pour chercher la lance en plus, parce qu'il joue sur la bande. Et en vrai, ça te dit, on va coloniser Alki. Ah bah écoute, une colonie italienne, d'ailleurs, hein, la nouvelle Italie en Amérique, non. Ah mais c'est même pas les deux casse-couilles du monde quoi. Ah mais non mais, ah non, mais c'est trop ça. Je sais même pas si j'aurais la porteur ouais, parce que bon. À la rigueur toi t'auras la Bretagne quand même. Je pense que tu peux y aller Valron. C'est pas grave, au pire, ou si tu veux, tu m'aideras, on ira voler des colonies à l'Angleterre, au pire. On ira voler des colonies italiennes. Les ultra-cancers de l'extrême. Ah putain. Putain, les Ottomans n'ont que 10 000 hommes. Ils ont été vachement nerfs, hein. Ah. Ouais, mais arrête, ils m'ont dit putain.
ils sont déjà redevenus grande partie. Et lui, tu sais que vraiment, genre, tous les deux, on avait un nombre de troupes, mais c'était juste. On avait autant que le français, quoi, dans le monde. Mais plus, peut-être. Je sais même plus. Après, le français était un peu cassé sans ces trucs de la Provence, hein, genre. Ah, oui. Tu enlèves la Bretagne, tu lui enlèves le Maine, l'Anjou, la Lorraine, la Provence, et puis voilà. Ah oui, c'est sûr. Mais ce qui était drôle, c'était ses armées, quoi. On arrivait à éclater ses armées, alors que pourtant, voilà. Ah tiens. La France va rompre avec moi. Terrible. D'ailleurs, je peux aller avec le temps. Oh, le triste, je peux, quel dommage. Tu veux bien t'allier à l'Albanie? T'allier à l'Albanie. Putain, on va te c'est parti, hein, on va s'en cacher. Allez hop, hein, je vais m'allier. La Ferrari, tiens, oh. Aussi, voilà. J'ai autre chose à faire, là. J'ai d'autres trucs de prévu. On va ça la récupérer. Hein. Faut plus vite. Je pourrais m'allier en Italie. Tiens, mais pas. Tu veux une alliance? Ah oui, parce que. Alors, ce que j'ai pas vu aussi, Shell, c'est que dans cette fameuse partie où jouait Florence, t'avais le pape qui met excommunié depuis le début de la partie. Vraiment. Genre, vraiment, ça, il a duré, je pense, une petite cinquantaine d'années comme ça, excommunié. Oui, oui, quand même. Genre, vraiment, j'étais obligé d'en venir aux mains pour qu'il arrête de m'excommunier en fait. ça marchait pas. Arrête de m'excommunier ou sinon je t'envahis. Ok, bah je te réexcommunie. Oui, non, mais sauf qu'après le pape il existait quasiment plus, donc c'est un peu mieux. Mais bon, c'est chiant quoi. Oui, très chiant. Bon, est-ce que. Oui, non, c'est pas que j'ai pas d'héritier. Bon, bah, rêve plus vite. Si tu veux, je peux te faire un mariage royal, hein, pas de problème. Non, t'inquiète, j'ai déjà deux mariages royaux. Ah bah, Épirus est allié à Sénia, à Sienne. Donc si tu veux, je déclare la claire à Épirus et tu prends Sienne. Ouais, ouais. Ouais, si tu veux. C'est vous déjà, Sienne. Bah, c'est juste au-dessus de toi, en fait, c'est ton voisin. Ils ont Épirus avant que je me jette dans la gueule du coup, ils ont combien d'hommes rivaux? Ils ont ils ont moins d'hommes que moi, ils ont 3000 hommes. Ils ont moins d'hommes que toi, mais c'est sinon dans le pire des cas, moi je pouvais attaquer séparément et taper le pape. Hein. C'est pas bien grave. Bon bah attends, j'ai compris de l'option Saint-Empire. Mais écoute, tu me dis Chêne. Bah du coup là je suis en train de fabriquer une... J'ai bientôt fabriqué une revendication là. Le mois... Ouais bah c'est bon. Là je fabrique la revendication, je vais déclarer la guerre. Enfin je vais déclarer la guerre quand j'aurai une mon moral. Il faut pas oublier ça. Voilà. Là je vais avoir une armée en morale. Et mon général 3 étoiles. Qui va les ouvrir. Là, je vais déclarer la guerre contre Sienne et Épirus, donc... Ah, ok, il y a que... Oui, non, d'accord, je déclare la guerre à Épirus, comme ça, t'as pas besoin de te taper la ligue de commerce. Oui, oui, c'est pour ça. Du coup, c'est cool. Voilà, et, bah, j'appelle Sienne. Normalement, Sienne sera dans la guerre, je t'appelle aussi. Voilà, let's go. Go, 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 go. Tiens, est-ce que je peux commerce, mon premier. Quoi? Oh, ils ont une autre île de merde!
Oh, ils ont notre île de merde. La naveur. Bon, bah... Tu vas la passer ici. Non. Non, je vais faire le commerce de la naveur. J'ai strike-wipe l'armée de... Putain, mais le... les Pyrrhus, quoi, ils ont une armée sur leur île. Jamais je pourrais faire un full war score. Par contre, en vrai, oui, je peux vassaliser ma base. Pour faire chier, toujours. Tu penses pouvoir venir vers moi pour m'aider à faire une percée là sur leur île de merde? Ouais, j'avoue. Bah, je vais finir de laisser le ciel pour pas faire truc. Ouais, t'inquiète. Bah, tu te fais bloquer. Tu te fais bloquer, MDR. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un peu mort. Est-ce que on est d'accord, c'est plus pertinent de rester, de devenir orthodoxe que de rester catholique, hein? Ouais, deviens orthodoxe. Ouais, c'est ça. Largement plus pété. Après, moi, j'avoue que j'ai une certaine chance les Pyrrhus, je crois, par rapport à la vie. Ouais, j'ai pas assez de galères, malheureusement. Du coup, je peux pas trop me permettre de tenter, j'ai pas de mes sauveurs non plus. Du coup, je pense que lui, ouais, ça va être compliqué de se la faire. En plus, j'ai même pas de marin, j'en suis surpris. Là. Bonjour la naveur. Ouais, je vais t'amuser à la vassaliser, c'est ça? Ouais, normalement, je l'ai direct. Voilà. Voilà, c'est bon. LOL, l'Angleterre qui a un pied en Espagne. Ah bah sinon c'est un pied en Frise orientale, donc Ouais, c'est vrai. De la bourse en eau commerciale. Non. En vrai, il est pire, t'as autant de navires, putain. Ouais, ils ont... Je pourrais pas les full annexes, malheureusement, je pense. Ouais, parce que je vais faire que j'arrondisse ce bateau. Tu pourras faire une PC pareil si tu veux. Hein. Ok. De toute façon, ils ont que 3000 hommes, c'est pas avec 3000 hommes qu'ils pourront me menacer, quoi. Ah bah, non, ça c'est sûr. Ah oui, surtout que t'as un bon général. En plus. Oui, le général albanien, il est pété en début de partie. Ouais, enfin, le dirigeant albanien, plutôt. C'est pas le roi. Si, c'est le roi. Ouais, putain, il est vénère, quand même. Hein. Ouais. Par contre, à l'avenir, Florent, je vais avoir ton aide pour péter deux méchants, le Venise et l'Empire byzantin. Alors, Venise, ça tendra peut-être un peu, quand même. Ouais. Ouais, à la limite, je peux peut-être ramener la Hongrie dans l'une de ces guerres, mais je pense que je vais avoir besoin de toi pour... Pour Venise, hein, clairement. Parce que... Et voilà. Ah, mais t'inquiète, de toute façon, je vais essayer de bouger le plus possible en Italie, et comme ça, je serai un peu plus gros d'ici là, quand même. Ouais, 60%. Ah, oh, mais c'est bientôt... Mais ça, c'est quoi? Juste que je prenne mes corps le plus possible, mais pour l'instant, faut que j'attende que l'Autriche se dégage l'Italie de l'Empire, mais éventuellement. Voilà, c'est bon, j'ai tout le seul. Oh, l'Albanie a un focus. Genre, ils ont des missions customisées. Oh, nice. Putain, je peux pas faire ça, je vais séparer avec eux là. Oh putain, la chier. Bah, du coup, je vais pouvoir faire une pelle et des torpilles pour faire. Juste
exactement ce que je fais. Ah d'accord, une fois que j'aurai reconquis tous les corps de la région albane, j'aurai le droit à un claim sur tous les ottomans, sur toutes les provinces ottomanes. Oh, nice. Ah oui, mais c'est pas le truc genre vengeance de Varna encore? Non, c'est seigneur d'Albanie. Qui me donne un claim sur toutes les provinces ottomanes de la région des Balkans. Quoi? Et genre attends, vous êtes en train de me dire que mettre fin au règne turc permet de faire la paix avec la. Bah voilà, c'est ça. Et moi je prends Eprus. D'aller taper de l'Aragonais. Taper de l'Aragonais, oui. On m'a appelé pour faire stonks mon petit navarre. Mmh. Putain, ça dégoûte, je peux pas les full annex. D'ailleurs, alors en parlant de questions, insulte. Alors, bonjour. Ah merde, je sais pas si je suis situé. MDR, rétrocession. Après, il va arriver. Elle va te faire le truc. Et là, hop, guerre. C'est mon allié. C'est ton allié. Ah. Attends, tu veux déjà Stonks, t'as déjà une quoi au cul, tu veux encore aller dans le centre empire? T'as déjà 50 partout, hein. Oui. Non mais elle est pas. Attends le royaume, hein. Oui, effectivement, oui, tu vas te manger une quoi là en fait. Tu te manges déjà une quoi. Avec une seule personne. Ouais, mais si tu vas plus loin. Améliore tes relations avec tes voisins là. Améliore les relations avec les pays outragés et une sorte de calme et tout ça. Sinon, tu risques de te faire très vite niquer. Parce que crois-moi, la coalition dans le Saint-Empire, même là avec la France, tu chiales. La France, ça se trouve, c'était une imagino pour bloquer. Oui, mais tu pleures quand même. Ouais. Parce que tu perds pas mal d'années d'expansion. Et généralement, pour obtenir une paix blanche du Saint-Empire, vous combattez généralement 20 années. On va pas mettre l'entraînement, il y a déjà le truc. Allez, bonjour le désastre. 2-4-4, 3-6-6. Ah oh, putain, il est bien en plus, l'encaisseur. Ah, je peux provoquer la révolte. Mais attends, je vais faire fuir mes troupes chez toi, Alki, pour pas qu'elles se fassent take wipe par les rebelles orthodoxes. Attends, demande-moi la. J'ai demandé l'accès militaire. Ah oui, vas-y. Voilà. Voilà, une fois ça fait, je vais pouvoir déclarer chez la révolte. C'est bien, on peut provoquer les rebelles maintenant. En plus, ce qui est rigolo, c'est que tu reproches les berlots, je suis en train de le dire en fait. Je suis entre les deux. Par contre, Alki, je vais pas pouvoir garder notre alliance parce qu'il me faut des relations diplomatiques. Et c'est embêtant. Ah, quelle déception. Mais la Provence, c'est quasiment que de la diplomatie en fait. J'aurais bien voulu garder l'alliance si tu préfères, mais ouais. Et voilà, j'ai repoussé pour rebelle orthodoxe maintenant. Alors ça passe.
le pape, bonjour. Putain, le pape, il m'adore. C'est beau. J'aimerais juste que tu ne retires pas ton alliance avant que je trouve un nouvel ami au moins. Si c'est en cours de recherche. Mais sinon, tu cliques sur interface de production, tu vas dans diplomatie, tu vois les offres d'alliance que tu peux formuler. Ça ira plus vite. Ouais. C'est de la merde d'être lui qui me demande ça. En même temps, tu t'as peut-être un peu. Beaucoup d'expansion agressive, quoi. Alors, il faut pour ça. Le prétendant est mort. Bon, on attend. J'ai passé Tech 4 en militaire, là, bientôt. Ah, orthodoxe devient la nouvelle religion de l'Albanie, oui. J'ai accepté les demandes, maintenant je suis orthodoxe. Ouais, je suis orthodoxe, oui. La mission a été une réussite. Je suis devenu orthodoxe et j'ai toujours mon dirigeant. Et je suis tech 4 maintenant. Est-ce que je vais pouvoir finir la guerre des... de Rose maintenant? On compte 6000 quand même, voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah. Ah mon dieu. C'est bon, je suis en sécurité. On a gardé de Rose. La speedrun ça, à une vitesse. Parfait, allez. Non, Rébellion, on s'en fout. Allez, vas-y, redonne-le-moi. Ah, mais attends, mais je peux briser l'alliance avec Milan, en fait. Milan ou Florence? Milan ou Florence? Ça, je sais pas. Alors, moi, je dis, j'ai plus d'âme que Milan. Ouais. Allez, dégage, Milan. Merci. D'ailleurs, je ne pensais pas, j'aurais pris 2 camions. Mais la Florence, elle se tombe vite. Hein. Tu sais, 100 000 hommes avec Florence, c'est facile. Hein. Ouais, c'est vrai. Hérésie Lollard, influence sur le pape. Oh quoi, je peux pas passer, il mouille mon rival. Non, fuck. Fuck le pape en fait. Je t'aime bien, mais faut pas abuser. Comme c'est sérieux quand le Luc c'est allié à l'Autriche. Bon, moi je suis en sécurité, je suis entré dans l'Empire. C'est très bien. Bah ouais, déjà. Ah oui. Mais tu dois rush pas mal. Ah, la Provence a été divisée en deux provinces maintenant, j'avais pas fait gaffe. Où ça? Eh bah la Provence-Provence. Ouais, il y a Toulonnais et Aix-Foix maintenant. Ouais. Et je me rappelle même que c'est un enfer pour défendre Berlioz parce que bah il y a tellement des provinces de partout. C'est un pays divisé en trois. Ouais, c'est un peu chaud à défendre quoi. Un peu. Je peux dire ça. Mais attends. Mais c'est ça que j'ai oublié de faire. Donne-moi ton commerce. Ouais, et placer Béliorque au pouvoir aussi. Enfin, le Tudor, c'est pareil. Ah, mais il est pas mal en plus, mon père.
Les gars, mes conseillers me coûtent 0,08. Quoi? Ah ouais. T'as un modificateur de seul qui minus bruit bien, hein. Allez, conseiller niveau 3, voire 4. Non, on va aller à 4. Allez, 4. Putain, mais là, je me suis fumé, t'as quoi? Mon roi est moins 60%. Oh. Oui, mais il n'y a pas que ça. Si. Putain, oui, du coup, moi j'ai plus 15% de morale des armées. Allez, amélioration du commerce. Allez. Centraliser le pays. Conseil niveau 4, ça commence bien. Je crois que c'est la première fois que j'ai un décor aussi bon. Est-ce que humilier un rival et montrer la puissance, c'est la même chose pour le jeu ou c'est deux trucs différents? Oh putain, mais t'as stonk 5 stonks en fait, j'avais pas vu. De qui, moi? Ouais. Ouais, bah j'ai attaqué plus quoi. Ah yeah, je suis le grand rival des Ottomans. Bon, par contre, ce fort faudrait qu'il tombe à un moment là. Ouais, Alki, en fait, t'es mignon comme allié, mais. Tu me sers à rien. Non, mais c'est à dire que j'ai la Castille en fait. Donc, entre toi et la Castille. Tu vois? Je sais. Ah, Postumus au pouvoir. Mais non, mais dégage en fait. J'ai pas la place, moi. Qu'est-ce que je fous d'un Florentin? Pour les banques. Non, mais Alki, je veux rester allié, mais ça passe. La banque, c'est moi. Je suis ma propre banque. Je serai la banque du pays. Ah, okay, alors, les transferts de puissance commerciale. Ah, mais c'est que des Hollandais. On s'en fout des Hollandais. Des Irlandais. Bah, comme d'hab. Toujours en la. Ça y est, je suis de retour. Ah, détourné commerce. Ah, bah, toujours rien. Ouais. Alors, c'est con, il y aurait Foix et Armagnac qui voudraient bien détourner le commerce. C'est con. Ah, la Castille. Ouais, il est déjà à 17 le nœud de la Manche, putain. Stoop machine. Même 17, c'est ce qu'il y a au début. Ouais, il fait que monter. Ouais, je serai plus serein. J'ai 12 épisodes désormais. Alki? Ouais. Ça te dit guerre contre Naples? Pour l'Union déjà. Pourquoi faire? Pour l'Union. Ah, bah moi aussi, je suis pour vous rejoindre dans le gangbang de Naples. Ouais. À Byzance. Non, je sais pas. Byzance. Il y a que Naples tout seul. Il y aurait que Naples. Attendez, je fais quelques trucs. Attends, quelques bêtises. Ah, tu fais une humiliation pour la Bosnie? Ouais, je vais avoir le show of the strength pour contre la Bosnie. Comme ça, je gagne 100 mana partout. Donc le problème, c'est que vois-tu, ils veulent pas faire la paix à cause de Silly. Et Silly veut pas faire la paix parce que je peux pas les attaquer non plus. Ah mais si, je suis con, je suis allé à la Hongrie, je peux demander un accès militaire. Bah oui, voilà, bah putain, je suis un gros con. Alors, Alki, t'es prêt? Bah après, est-ce que j'ai vraiment intérêt à se détourner? Parce que la dernière fois, ça m'avait bien emmerdé, quoi.
Mais la dernière fois, t'avais rien fait, t'avais mangé jeune et c'était tout. T'étais même pas allé à Milan, à Venise ou quoi que ce soit. Si, j'avais été jusqu'à Milan. Alti, pense Italie. Ah, oh, mais là, bah, vas-y. Bon, puisque c'est comme ça, je vais rompre mon alliance et je vais aller avec la Castille, hein, y'a pas de problème. Hein. C'est probable, mais t'as vu. Bien. Périsse. En plus, ce serait parfait, Alki. Bah ouais, mais... T'as des séparatistes d'ailleurs, Alki. Hein. Ouais, je sais. C'est pas ce que j'attendais. Je m'écoute, c'est eux pour retrouver leur morale. Hein. Putain, je vais enfin partir ces chieurs, là. Voilà, alors vous, les chieurs. Moi, le truc, c'est que moi, en fait, ça m'intéresse. En fait, la faudra dernière partie, même si ça fait pas partie du truc sur une famille, bon, voilà. C'est toujours bien, quoi. Bon, le pape. Ouais, mais le pape, il ne peut rien en fait. Ah, si, il y a un 39. Est-ce qu'un jour j'aurai au moins la stat du pape? La Bourgogne arrive à tenir sa dépendance. Hein. Elle les tient tout. Ouais, c'est rare qu'elle les tienne pas. Comme attaquer le Saint-Empire, par exemple. Genre Liège. Option. Du MP, enfin. C'est bien que le Saint-Empire dégage l'Italie un jour. Ah, tiens! Ah ouais, d'accord. Bon, bah, la Bourgogne est conne. Alors, et bah, on fait, est-ce que je veux vraiment envoyer des hommes français? Je pense que la Bourgogne, étant très conne, va t'envoyer des hommes sur la gueule. Donc, prépare-toi à défendre. Hein. De toute façon, Lilia, c'est toujours ce qu'elle fait. Elle essaie de battre les alliés. Je savais pas que c'était jusqu'au Canada qu'elle devait aller, Navarre. Jusqu'au Canada? Ouais. C'est-à-dire? Bah, elle a des plumes pour aller au Canada. Oui, sa colonie sec. Ah oui, bah la Navarre, enfin, historiquement dans ses missions. Dans ses missions, c'est ça? Ouais. Bah historiquement, c'est les... C'est des pêcheurs bretons, normands et navarres qui ont découvert en premier le Nouveau Monde. Donc ça fait en quelque sorte du sens qu'ils aient une mission pour le Canada. Quoi. Pourquoi tu demandes tout ça? Alors le français, c'est bien gentil, mais t'as mordant comme bon vivant. C'est vraiment que... Et c'est peut-être pour ça que le Bourguignon a attaqué du coup. Mais après, avec ses vassaux et compagnie, ils ont tant d'hommes. Ouais, je vais quand même aider un peu, parce qu'apparemment, ça pue un peu, tu vois. Ça pue un peu sur tous les généraux Bourguignons et tous les liens. Par contre, c'est vraiment qu'ils protègent Paris, et donc vraiment, ce serait plus à terme. Finalement. Ah oui, alors on parle du... Ça alors insulté.
Magnus est mort. Ah, nice. Techniquement, là, dès le début, tu ne serais pas allié à la Hongrie. Et tu, là, tu lui aurais déclaré la guerre à cette porte. De qui, moi? Non, 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 non. Si quelqu'un avait joué l'Autriche. Ah. Quelqu'un de compétent, bien évidemment. Oui, quick. Je vais envoyer des insultes. Outrager la France. D'ailleurs, vous pensez que je peux rentrer dans le Saint-Empire? Tu es côtier, mais là tu vas là. T'es pas assez proche. Alors, il faut aussi que tu sois pas trop grand. Genre, moi je suis entré. Il fallait. Ah, mais non, je peux pas. Il y a pas. Venise est pas dans le Saint-Empire. Ouais, oui, c'est non. Ça. En vrai, il faudrait être le pape. Même pas, faudrait que tu sois au moins à Raguse et encore une province après, tu vois, pour rentrer. Mmh. Là, tu vois, là ça se voit pas, mais j'ai fait une crotte dans le Saint-Empire. J'ai déjà créé un prince hérétique. Attends, pas oui, il y a un prince hérétique dans le Saint-Empire. J'ai posé ma petite crotte. Là, viens me convertir en tant qu'orthodoxe, mais non. Donc l'orthodoxe est inutile. Encore en écossais Non mais du coup j'ai foutu du bel à Florence hein, vu que j'ai de ça à foutre. Ouh, il y a la Hongrie qui pourrait venir dans la guerre contre Venise. Si je lui promets des terres. Ouais, on va continuer d'améliorer mes... Je conseille niveau 5. Après, si tu veux vraiment bouger Venise et que l'on voit, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Qui a conseillé niveau 5 Ah oui, mais par contre, il y a 9000 hommes à ma frontière. J'ai que 5000 hommes. Ouais, je vois. Le Hongrois, il est d'accord pour venir. Mais Bah, vaut mieux se faire en Espagne, en minimum pour l'armée, ouais. Ouais, en plus, il a le Venisien, il a la Savoie, et les chevaliers, Bregenz, il a beaucoup trop d'alliés, le Venisien, pour le moment. Ouais, et puis en plus, le problème du Venisien, c'est qu'il recule beaucoup de Berkos. Bah, il a la moula pour, quoi. Ouais, voilà. J'ai envie de dire que les troupes italiennes ont été décisives contre le Morbihan, heureusement. Parce que le français était très bien parti, hein. Je le dis. Clairement, ça commence à faire beaucoup pour lui. Là. Ça fait qu'ils ont été très bons généraux. C'est que le français n'a pas, malheureusement. Bon, bah, allez hop, je suis tech 5. Des conseillers. Profitons de mon roi. Je suis tech 5 là. Ouais, ouais, niveau 5, un petit niveau 4 bientôt. T'as la vache, je mets tout le monde, je mets toute l'Europe en PLS. Anglais ou wallon? Anglais. Viens là, toi. Je tente un truc. Non, je tente quelque chose de mon côté. Ça passe ou ça casse. Bon, par contre, Florence, adieu. Parce que tu me prends vraiment une relation qui est cruciale. Bien, c'est Palatina. Attends, tu veux pas devenir empereur quand même? Clin d'œil. Ok. Je ne dis rien. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Oh putain, oui. Il y a deux votes. Le Brandebourgeois a deux votes. Et le Soi a deux votes. Pas de. Tiens, que tu postules. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aura pas un petit Lancaster sur le trône? Et si. Un petit Tudor. Donc, désolé, la Florence. Mais on en reparle plus tard. Non mais de toute façon, t'inquiète, hein, l'alliance avec la France,
Et je vais bientôt avoir aussi, avec la question en même temps. Donc, bon. Oui. Je pense que je serai un peu très safe, hein, ouais, clairement. T'as aussi l'Albanie, Albania Strong. Ouais, si t'arrives à Strong, t'as assez pour avoir plus de 5000 hommes, il est vrai. Je vais avoir 7000 hommes. Ouais, ça sera toujours mieux. Et en plus, j'ai même une tech d'avance sur la Venise. Ouais, ouais, putain. Bah, moi, je suis en avance partout sur mes techs. Non, t'es pas en avant sur le militaire. Ouais, pas sur le militaire, c'est vrai. Mais je sais pas. Non, plus, donc ça va. Allez, avec un peu de chance, ça passe. Bon, en vrai, j'ai envie de dire que la Bourgogne est morte, parce que malheureusement, elle ne sait pas gérer ses armées, quoi, en fait. Alors que pourtant elle a quand même toujours un avantage certain. Oh, nice, un chat, c'est un peu choc. La bataille va peut-être pas passer. Bon, ça passe. Mais c'est... Je sais pas si t'as vu, mais c'était tendu. Ouais, bon, ça va, parce que je perds pas beaucoup d'unités. C'est surtout français qu'on perd. Ça va. Ok. Ça fait 4000 ans. Mais... Bon, alors normalement, ça passe. Ah, bientôt la première réforme impériale. Oh putain, il y a la Saxe. L'Autriche. Je vais pas aller en Amérique, mais je vais bien m'implanter en Europe, hein, quand même. En réponse hongrois, il est pas dégueu. Hein. 5-0-5. Bah là, franchement, c'est merveilleux, je vais rentrer avec l'Autriche, je vais plus, ça aide mieux l'Autriche, hein, avec l'Armandais, là. Ouais. Surtout qu'en plus que ça sort un gros changement en Europe. Ah oui. Bah, bah, oui, bon, bah, c'est les alliances. Bon, moi, je dis alliance France-Castille, c'est officiel. Bah, Castille qui est allié à toutes les merdes d'Europe. C'est Guy et moi. C'est français, en plus, c'est ça. Mais c'est même pas dire que le français a marqué ça. C'est même non, pas non, je suis les opportunistes, quoi. Non, mais j'avoue, c'est ça. C'est même lol. Pas les gars, ils m'appellent contre le Maroc. Non, mais d'où je vais bouger, moi? Sérieux? Non, mais les mecs, on sait vraiment plus aller avec Castille, par contre. Bah ouais. Parce que moi, j'ai des chances d'avoir une union sur la Castille. Bon bah je pense que le français il n'y a plus vraiment besoin de moi. Hein. Que peut-être encore la mort quand même, il y a un bon général dans le vidéo. Hein. Ouais, première réforme. T'as perdu le Palatinat. Attends, peut-être pas, j'ai pas perdu de coup. Généralement, quand il y a des égalités entre les votes, c'est qui est choisi? L'empereur. Oui, mais si le, parmi les votes, il n'y a pas leur preuve. Il n'y a pas leur preuve. Puissant en termes de militaire. Hmm. Ah bon? Ouais. Je crois que c'était ça, si je me souviens bien.
Mais où? C'est du dev. Et franchement, ça se joue là, entre la Provence et le Brandebourg. Merde. Provence. Ah, en paix, oh putain. Non, c'est Provence, Brandebourg, S. Là, on est au coude à coude. Mais c'est pas que les termes de ça. Et t'as l'autre qui va faire genre ta merde ou je sais pas quelle merde, on sait pas pourquoi. Oui, c'est parce que je sais pas. Est-ce que. Non, je sais pas. Vous avez. Si tu dors là sur ton trône. Vous pouvez avoir combien de morale vous? J'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas regardé. 2,85. 4,29. Je suis à 3. 4,29 de morale. Ouais. Putain la vache déjà. 4,29. Pas mal ça. T'es pas premier. Oui, normal, je suis plus en maintenance niveau moral. Je me suis mis à zéro. Du coup, le Florentin, fais-moi un signe quand tu auras fini ta guerre avec la France, à la Bourgogne, pour que je puisse déclarer la guerre à Venise. Coup des conseillers 10 ans, moins 10%. T'as, ils sont gratuits tes conseillers là. Ouais. Ils te payent pour être à ta cour. Non, tu peux le faire avec la boîte. Faire en guerre contre qui Venise. 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 Ouais. Bah ouais, bah je veux bien, mais j'aimerais que c'est au niveau 5. 1,32 ducats par mois. Non, mais j'aimerais que le français. Mais le pire, c'est qu'ils s'en sortent pas. Le français sans moi là. Sinon, t'as qu'à faire une paix blanche avec la Bourgogne, hein. Ah ouais, vas-y, hein, parce que là, j'attire, on me demande le français, c'est bien gentil, mais je vais me demander de la thune si je peux. Ah non, je peux pas. Non, c'est pas toi qui as fait le sort de guerre. Non, mais il est en train de venir, là, c'est bon, il est en train de prendre la Bourgogne. Ah, mais tu verrais comment il est, au niveau des batteries. Bah, ah, t'as fait la paix. Là, il a 50 paix. Ah bah, il se fait. Ah non, c'est moi, il rajoute pour lui. Non, mais plus ça y est, je suis presque. C'est qui contre Venise? La Hongrie. Oh! Oh, mais tous ses alliés! Elle est alliée à la Castille maintenant, là, elle est à Venise! Ah, bah ça arrive. Non, attends, pourquoi il est dans les ennemis alliés? Il y a Venise. Non, Castille est défenseur de la foi. Ah, d'accord, c'est pour ça. Heureusement, ça va pas défendre. T'as les Chevaliers, t'as la Savoie, et t'as le Bregnes et Augsbourg. Putain, ils ont pas fini de prendre le Grenade? Ça arrive. Oh, bah, juste, je rappelle ma frappe chez moi quand même, quand il était pour meurtre. Eh, bah, la Cassie qui se démerde dans sa guerre pour une fois. Hein. Parce que souvent, il galère celle-là. Ouais? Ouais, là, elle se démerde toute seule. Hein. C'est un peu normalement, c'est pas. Ah, je vais attendre un peu avant d'appeler la Hongrie en guerre, parce qu'elle est. Elle a des problèmes avec des rebelles. Il y a 9000 rebelles qui viennent de spawn. Yes. Si je vole l'élection. Ah, c'est une blague. De toute façon, j'essaie d'avoir l'Autriche en union. Tu peux pas. Ah merde, elle a pris en héritier. Non, mais elle a un héritier. Ah, l'IA est intelligente. Stop the count. Stop the count. Ilia vient de faire un move intelligent à la bypass la rivière en Serbie, ouais au niveau de la Serbie, pour les attaquer 100 mètres de rivière. Enfin j'ai rien dit, elle attaque quand même à travers la rivière. Mais elle a quand même bypass la rivière. L'intelligence de l'IA. Peut-être qu'elle pouvait pas parce que c'est un fort sinon. Non mais le fort c'était pas un fort, c'était une province rebelle c'est tout. C'est quoi le manpower français de base, Max? Here we go. Le pire c'est que là je peux aller choper la France. Non, en fait toutes les armées vénitiennes sont sur mon côté quoi. Sont de mon côté. Ah oui. Non bah t'en fais pas, va assiéger le corps vénitien. Je vais voir pour démonter, dérouter de l'état des Vénitiens. Ouais, mais il y a la Hongrie après à côté de nous.
Là, j'ai stack up 4000 hommes. J'ai stack up 4000 hommes. Je crois que je vais taper du français. Je vais essayer de dégager mon terrain là. Non, j'étais sans fil, je sais pas. Ah bah finalement il est disparu, c'est la savoie qui est là. Ok, bah je vais essayer de siéger la savoie, j'ai à peine plus de Mikael. J'aurais préféré avoir un meilleur général, mais bon. Ah, il y a l'armée savoyarde de carré chevaux avec des munitions. Oulala, là là, il y a Vénitienne qui joue Big Brain en attaquant les rebelles. les rebelles bosniens. Ah, mais c'est Reconquête, le casus belli, c'est Reconquête, bah je suis con, je vais prendre du raso. Bah, Hongrie prend du raso. Hongrie prend du raso, il doit rester là comme une conne. Alors, moi je peux pas bouger. Mon conseil niveau 5 est mort, non. Cher. Pas grave, je l'ai racheté. Comment ça se fait que tu sois aussi en retard au niveau tech alors que tu as des conseillers niveau 5? Parce que c'est long. Ah merde, j'avais débloqué une idée. Hein, quelqu'un veut m'acheter leur stick, en fait. Je voudrais bien, mais on est un peu en guerre. Non, je vais éviter. Moi, je peux. Tu veux... Ouais, faut voir combien ça coûte, quoi. Ouais, la Hongrie se fait péter le cul, là. Putain, la vache, la Hongrie se fait péter le cul. Je crois qu'on va perdre cette guerre, ma boy. Je t'avoue que c'est un peu compliqué pour moi parce qu'ils sont venus avec 15 000 hommes à un moment. Du coup, ça fait chier. Je vais essayer de siège la Savoie pour dégager l'armée savoyarde, mais je pense pas que j'aurai le temps. Hein. On va se faire exploser. Hein. Ouais, que, si le siège à Pès peut tenir et que moi je peux finir le siège de Spalto avant, il y a moyen. Sinon. Ah! Mon roi est mort. Mon roi est mort, yes. Je prends les comptes de tiers si ça t'intéresse. C'est bien, mais non. Attendez, c'est pas ce merde. La France va faire en guerre contre l'Angleterre. La Nara. Oui, bah, elle te compte pas l'once, quoi. Ouais, bah, attends, y'a qui dans cette guerre? Il y a que l'Angleterre, Nara. Ouais. Ça va encore. Je rejoins juste sa guerre, histoire de dire que oui, oui, le français, je suis avec toi, mais pas du tout. Malheureusement, se fait ce qu'il veut à ce niveau-là, clairement. Oh, j'ai eu ce plateau. Il a l'air comme un peur, là. Juste plateau, je vais autoriser les armées alliées à mode suivre. On va prendre les dernières provinces, là. Putain, si la Hongrie me lâche sur le siège de Pest... Ou que si elle me lâche sur le siège de Pest, c'est pas que mal. Ouais. T'as fait la paix? Non, t'as pas fait la paix. Oui. Ouais. Il y a eu la paix entre la France et la Bourgogne. Ouais, je vois ça. C'est embêtant. Ils restent vers moi, ils reviennent vers moi là, les armées vénitiennes et tout le bordel. Ouais, on va faire le siège de Pest, on va défaire le siège de Pest plutôt. Moi je suis obligé de dégager parce que j'avais vu des armées qui partent chez moi là. Oui, en effet, c'est par chez moi. Je me casse. Non, on va défaire le siège plutôt de Zagreb. Enfin, c'est en plaine. C'est pas un bon fort ça.
Mais c'est bon, là, la guerre, elle se passe pas aussi mal que ça. Si la Hongrie décide de pas se rendre, ça peut le faire. Ok, j'ai rien, ça peut très mal se passer. Ça peut très mal se passer. Il n'y a pas de général en face pour le moment, mais ça peut quand même toujours très bien se passer. Ça va très mal se passer. Attends, on les ouvre, mais pas assez vite, je pense. On les a pas ouverts assez vite. On les a pas ouverts assez vite. En fait, là, il faut que la Hongrie fasse la paix, parce que sinon, là, on gagne la guerre, en fait. Ouais, il faut que la Hongrie fasse la paix dès maintenant, qu'elle accepte sa défaite, parce que en fait, c'est elle qui nous fout dans la merde. Non, 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 cassez-vous. Oui, ils sont cassés. Parce que si on garde niveau score de guerre, ouais, c'est ça, c'est les sièges à Venise, enfin de Venise en Hongrie qui nous font perdre. Donc faut que la Hongrie tège. C'est triste, mais faut que la Hongrie tège pour qu'on puisse gagner. Bah ouais, parce que au pire, vaut mieux faire une vengeance. Hein. Ah ouais, mais non, mais je peux pas, la durée de la guerre est trop courte. Elle est trop courte pour les Vénitiens. Putain, je pensais que ça allait le faire avec la Hongrie, mais non. Même avec la Hongrie, ça le fait pas. Oh putain, et le G. Putain, mais je comprends pas. Moi, je fais tout le temps que des zéros. Et quand je regarde les autres pro players qui jouent là, ils font des 10. Même les IA font mieux que moi. Oh, putain, mais ça va être la défaite. Oh, je sais, bah non, attends, je vais profiter de la Hongrie pour la nacher. Genre, tu prends ça. Non, ah non, ah non, c'est mes provinces. Non, non, non. Ça, oui, tu veux bien, oui. Attends, bah du coup, pause, je vais jeter la Hongrie sur la route. Quoi? Ce score de... Non! Elle veut... Non! Elle veut ma capitale, la pute! En tant que revendication, hein. En tant que corps. Ouais. Si la moitié de... Si plus la moitié de dev de mon pays, quoi. Et là, ça deviendra la pauvreté extrême, du coup. Putain, ça t'écoute. Et la Hongrie, elle est sympa, mais elle veut pas faire la paix, en fait, elle nous a baisés. C'est quoi, le qui? Putain, je vais devoir faire la... Je vais devoir leur céder le truc. Merci, Alki. Ouais, non, c'est ça, leur traité de paix idéal, je me fais full annexe. Putain, je t'écoute. Faut vous arriviez à la remettre à neuf, quoi. Putain, faut vraiment qu'on pète le cul de Venise, quoi. Ah oui, ok, donc c'était carrément fait. Okay. Ah non, mais je pouvais pas faire mieux, quoi. La Hongrie, elle voulait pas se rendre. Et je me fais encore niquer sur le placement de ma capitale. Regarde où est-ce qu'elle est. Elle m'aime pas sur le fort, elle est sur le fort de la province à côté. Putain, et attends, mais mon armée est landlock. Elle est bloquée. Je veux pas rejoindre mon pays. Mais si, tu vas pouvoir. Putain, mais Venise, quoi, c'est tellement OP comme pays. Faut qu'on se fasse une paix séparée, une guerre séparée, en fait, pour les péter. Putain, les Serbes, ils veulent une alliance de moi, et la Valachie aussi. Et c'est parce que tous les deux se font démonter.
Allez, l'Autriche. Tu peux faire. Tu peux le faire. Tu peux mourir. Ah, mais toute mon armée est tellement glow-block, quoi, landlock. Parce que Venise veut pas donner l'accès militaire. La Croatie, peut-être. Ah, la Croatie veut bien. Je peux les rapatrier à la maison. Maintenant, on repart à la maison avec les culs entre les jambes, là. Oh, un prix de l'expansion agressive monte 30%. Nickel. Ah, mais c'est parce que mon roi est mort que je me suis dit que j'étais aussi autant baisé en même temps. Les Byzance qui démontrent l'Ottoman là. Avec les Serbes. Je suis dans le mal, moi. Ah, j'ai perdu deux de force limite. Oui, je l'ai gagné. Oh putain. Oh, cette bataille de mort. Oh, merde. Putain. Est-ce que le prince, le nouveau prince du Saint-Empire sera d'accord pour nous aider à péter du Vénitien? Bah, techniquement, j'ai un casus belli pour la défoncer. Affaire réglée. Notre prochain allié sera le Saint-Empire. Hein. Si avec ça, on défonce pas Venise. Merde. Merde. Vite. 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 Oh mon dieu, j'ai un bel héritier. Ah merde. Hein? Tu penses qu'on va pas remettre de ta situation actuelle? Bah, éventuellement, oui. Peut-être. Éventuellement, si Byzance perd contre les Ottomans, je pourrais peut-être les attaquer. Ouais, c'est vrai. Vu le nombre de claims que j'ai sur leur gueule, je pense avoir le temps. Et pouvoir les niquer. Mais si ils perdent face aux Ottomans, quoi. Pas.
Alors, on nous appelle dans sa requête de venir dans notre end. Ouais, bah c'est une guerre de merde, donc oui, je veux bien t'aider, même si je vais pas t'aider. Attendez, je reviens. D'ailleurs, si tu veux m'acheter aussi, Je peux pas, tu la partages déjà à Malon, à quelqu'un. Ah, je peux pas la partager à deux personnes en même temps. Ah, non. Terrible. Terrible, sinon je roulerai sur l'or. Là. Avec les 0,7 que je te file par mois. Ouais, c'est toujours cette gagner au moins. Je gagne déjà 6 du cas actuellement, alors ça va. Wow. Ouh, les Ottomans, ils sont vénères, ils cassent du byzantin là. Ils ont défait 30 000 hommes. Ou c'est 30 000 hommes plus les Ottomans? Ah non, c'est plus les Ottomans. Bah tu m'étonnes avec tout ce qu'elle se prend sur la gueule. Ah bah là mec, Florence, une des villes les plus belles d'Europe. Hein. C'est la vie. Oui, j'ai Avignon, parfait. Ah bah parfait, le pape a bien vu ça passe. Actuellement, je suis allié. Il y a tellement de gens où il va falloir faire le tri. Il s'est arrêté là, lui. Quel abruti. Voilà, adieu le pape. C'était mignon. C'était pour Avignon. Stop the count. Stop the count. Stop. Oui, et alors, le Saint-Empire, là. Ouh, comment Saint-Empire. Si jamais, il n'y a pas de changement. Voilà. Parce qu'il y a 3 mètres pour lui, non ? Oui. C'est pour ça. Stop the count. Stop the count. Non, bah c'est bien avec la petite. Je suis à 14 millions. Désormais, là. Ma dernière unité en recrutement. Voilà, 14 millions. Ça va malheureusement avec la France, quoi. Ouais, ça a l'air d'aller. Non. Enfin, non. Mais faut juste que je prenne mon score, mon objectif de guerre. Parce que sinon, Ouais, pas maintenant. J'envoie la Castille. Bah, envoie là si tu veux. Parce que si moi, je veux le faire. Ah, tiens, Royaume Fantôme. Ouais, ça m'intéresse. L'indépendance, renonce à l'Italie, comme ça je peux me lever. Allez, renoncez-y. Parce que là, en vrai, j'envoie la Castille dans le tard. Il n'y a plus de France. Ah oui, j'en ai. Vas-y, parce que, s'il te plaît. Ouais, parce qu'apparemment, il galère quand même. Là. Je vois que c'est pas facile apparemment hein. Ouais mais j'hésite. Par contre c'est une cette phrase derrière moi. Quoi merde oh merde, j'ai pas fait gaffe mais il y a ces connards de Scylliers qui sont chez moi. Ah ouais. Merde. Pour ça. Comment? Qu'est-ce que je veux, que j'exige là? Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes? On sent qu'il y a du mercure, ça. Ah, mais dans mon avis, là. Oh, bah oui, il y a du mercure, ça. Du côté de l'ennui. C'était chaud, cette bataille. Qu'est-ce que tu me proposes, Marron?
Ouah. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux toi surtout. Ouais, il me faut des terres. De l'or. L'anglais, il se fait des pops. Oula, peut-être le sacroyant. Putain, y'a aussi l'albanien qui se fait des pops. Tout ça à cause d'une guerre du hongrois. Et c'est le sacroyant de l'armée narcose de l'anglais, ah même pas. Le hongrois, tu veux pas faire la paix de mer là? T'as intérêt à bien me payer. T'as vu la France. J'ai été heureux de te la repayer. Voilà, clairement. Mais là, c'est pas cher largement. Regardez mon avance avec la Castille. Hein, parce que c'est gentil 100 minutes. Hein, je pensais, mais bon. Et encore, moi je dis, Armel, il peut pas de la chance de bien tous mes faits parce que là, ça recommençait à ramener quand même. Oh putain, les Ottomans, oui, oui, ils sont vénères. Oh. Oui, les Ottomans, oh putain, les Ottomans. J'avais pas vu. Mais ouais, ils viennent de bouffer Byzance là. Ah ouais, non, mais d'accord, ouais. Alors, bonne chance, chef. Alors, actuellement, tous les Français sont en Lorraine. Ah là, t'as pas directeur, c'est trop bien. Ce n'est qu'un au revoir. Est-ce que je reste dans l'Empire? Ouais, je reste dans l'Empire. Si t'es pas allé avec l'Empire, ça va te faire des malus. Byzance à 10 000 hommes. Ouah, les Castillans ont éclaté les Français. L'Autriche en fait sa propre relation diplomatique. Quel dommage, quel dommage. Non, mais le futur empereur, on sait tout ce qu'il fait. Oui, il est vrai. Je veux dire que si j'y arrive, hein, franchement, c'est absurde. J'ai pas de mots. C'est absurde, complètement absurde. Ah, les Ottomans n'ont que 18 000 hommes. Je peux peut-être les péter avec la Hongrie. Non, mais ce sont 18. 8000 très très bons hommes. T'as combien d'hommes actuellement? 6000. 6000? Ça t'intéresserait dans le lutte de les guerres? J'ai besoin que tu me payes parce que mon armée me coûte trop cher à entretenir en fait. Et bah, si tu veux, on fera de réparation de guerre et tout le bordel, ça sera parfait. Ouais, bah, dès que la Hongrie a fini cette guerre de merde là. Tu vas taper qui? Alors je veux taper, je vais dire ça. Bologne, Ferrari, Milan. Bologne, Ferrari et Milan. Ouais, ok, ça va aller vite quoi. On va foncer dedans et boum. Oui, oui, ça sera pas très très loin. Hein, mais ça fait pas très...
Oula, il y a beaucoup. Je pense que vu qu'il y a beaucoup d'Ottomans à la main frontière, je pense que ça va peut-être attendre un peu. Je sens la guerre contre l'Ottoman arriver assez vite, bizarrement. Ouais, ils font une reconquête contre la Bulgarie. Attends, la Bulgarie, c'est... Ah, c'est ça, d'accord. Donc ouais, non, je pense être clairement dans leur prochain collimateur, là. Là, clairement, après la Bulgarie, ils vont me taper dessus. Alors, si tu... Tiens, est-ce que tu peux débarquer tes hommes chez moi? Les Ottomans? Ouais. Mais... Ouais. Non, mais y a qui rentre dedans, par contre. C'est, ça sera surtout une guerre défensive, je pense, en fait. Ouais, mais c'est chaud, putain. Ouais. Ok, bah, si tu veux, je peux éventuellement les larguer chez toi, mais... Ah, ça me fait chier, je voulais faire une guerre, du coup. Mais... Oh, oh, putain, il est bon, l'héritier. Même guerre, je peux m'allier avec l'Ottoman si je veux. Putain. Oh putain, je suis encore coq-bloc. Bah écoute, je vais faire un livre chez toi si jamais c'est vraiment la merde. Mais on va voir si je vais faire la guerre ou pas. T'as qui d'autre comme allié? T'as que moi ou t'as la Hongrie? T'as la Hongrie quand même. Ouais, j'ai la Hongrie et personne veut, veut rejoindre mon alliance. Oh, je peux former une coalition contre les Ottomans. Bah cool. Je forme une coalition contre les Ottomans. Y'a qui contre dans la coalition? Bah, je suis tout seul. Il peut y avoir la Moldavie. Mais la Moldavie est dépendante. La Moldavie, la Bulgarie, la Serbie. Ouais, mais en gros, on sera personne pour les Ottomans, quoi. Je suis tout seul. En fait, je suis seul, je serai le seul entre les gros alliés de l'Alliance, quoi. Le joueur là, le fort. Ouais, il y a 14%. Le fort va bientôt tomber. Le fort va bientôt tomber. Ouais, bon, je pense que je vais partir en guerre en Italie. Vas-y, tu peux m'appeler à la limite. Je vais débarquer des troupes chez toi. On va faire une guerre éclair. On va voir pour faire une guerre éclair plutôt. Okay. Alors attends, je remets juste le moral de mes troupes. De toute façon, j'ai recruté 6000 mercos en plus. Hein. Donc ça sera vraiment éclair. Surtout que avec Florence, ça peut me permettre. Hein, parce que j'ai tellement de troupes que. Oui. Je vais en vendre un peu des mercos, heureusement. Mais du coup, je t'ai dit qu'on déclare la guerre. On déclare sûrement la guerre dans 3-4 mois. Ok, bah tu m'appelleras dans la guerre, quoi. Ouais, t'inquiète. Je pense que malheureusement, il va falloir que tu fasses la paix. Ah oui, d'accord, t'es allé jusqu'au bout en fait avec le français. Ah, mais là, je l'arrache. Attends, mais t'as que 32% de score de guerre contre lui? Calme-toi, je l'arrache. Heureusement qu'il y a un petit provençal dans le jeu, quoi. Oui, ouais. Et j'ai envie de dire heureusement que la vermine de Mercos, hein, aussi, quasiment, ils vont me manquer. Qu'est-ce que sans les vermines de Mercos, ils étaient même barrés, quand même. Hein. Malheureusement, c'est les arrangements historiques. Dans cette guerre, ouais, non, je vais être la prochaine cyborgarde. Il y a déjà 13 000 hommes de nouveau à ma frontière. Je vais y passer. Je vais y passer. Il s'entraîne, non, c'est bon, il s'entraîne. Non, il s'entraîne plus, ça va plus. La France qui comporte des traités de paix. Lol. Lance la guerre éclair. Elle va durer 3 ans. Oh putain, ils se sont fait écharper en face. Oh là là. J'ai besoin d'hommes pour faire le siège du fort. Surtout que j'ai un général 2 étoiles. Tu peux subsign mon économie?
Tu veux de la thune là? Oui. Alors, j'en ai pas beaucoup, alors être fun quand même. Mais tu dois en avoir plus que moi. Alors, tu. Ouais, je vais te donner genre 25. Je pensais à des Suzanne, mais ça le fait aussi. J'ai pas plus, hein. Genre là, que je laisse l'ordre pour se donner la banque. Mais t'inquiète, ça arrivera. Tu devrais laisser une province sur Modena, enfin une unité sur Modena pour la prendre. Ouais, c'est vrai. J'en occupe. Du coup, j'essaierai de pas trop bloquer ma porte. Je me demande de prendre deux provinces. Ça serait bien ça. Non, cette guerre est toujours pas finie en France. Et j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'échappe en France pour qui va avoir ces territoires en plus. Et moi, je veux l'Occitanie, c'est quand même simple. Ah, j'avoue qu'en plus, c'est l'air là, c'est occuper ces petites provinces. Hein. Mais oui, mais je veux l'Occitanie, j'occupe le Nord. Quel genre de putain. Ah bah, la France, il n'y aura pas la tuer, elle a gardé l'île. Ah bah là, c'est sûr que je m'y suis pris un peu plus tôt. Ouais. Ah là, ouais, clairement. Est-ce que je peux avoir Cologne qui vote pour moi, juste pour confirmer l'élection? Ouais, j'avoue que c'est parti en couille au niveau des votes. Je vais dire encore obligatoirement. Ah, Régence de la Reine, super. Alors, il y a un sort qui est parti pour lui. Ah, j'ai perdu 1000 hommes. Ah merde, ah oui, il y a 1000 ans, c'est tombé dessus avec une armée. Ah bah c'est bon, c'était les 1000 hommes de trop pour mon économie en fait. Après 1000 ans, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout, mais elle a pas l'air de trop vouloir le combat. Elle va nous décontourner pour venir, je pense. Elle est à Bergano. Elle va peut-être faire le tour par Fadou, mais ça pas l'air. Après, elle a peut-être peur parce que j'ai plus d'hommes qu'elle, surtout. Bon, ça fait 4, c'est long. Fais pas tout de suite la paix avec Ferrar. C'est ça. Fais pas la paix avec Ferrar une fois qu'on aura pris la capitale. Ouais. Faut qu'on prenne Milan avant. Là, Malrance, tu te bats pour quoi actuellement? Bah, de base pour voir Paris, mais bon. Ah, c'est pour ça que t'as pas un score de guerre de 100%. Bah, parce que y a Berlos qui a capturé Paris. Moi, c'est espagnol. Je sais, mais bon. Putain, les Milanais sont venus jusqu'en Albanie. C'est open bar en fait, la Milan là. Bah oui, regarde le magnifique fort d'Albanie. Putain, et ils font le siège à une vitesse. Putain, il y a un général, j'ai deux de siège. Fait, regarde si tu peux pas faire la paix avec eux. Voilà. Fais la paix de suite là avec Milan parce que si ça botte mon terrain, déjà que je vais avoir les Ottomans sur mon cul. Non, il va pas la paix parce qu'on occupe rien chez eux en termes de force. Tu demandes une province, tu demandes Parma ou Milanais?
non, je demande rien, parce que pour l'instant, je m'en fous, tu vois, mais... Putain, merde. Je m'entraînerai plus tard, mais non, tu vois, c'est pour ça. Pour éviter d'avoir une tradition tout de suite, quoi. On ferait un peu chier. Mais, oui, le pas de pédant, enfin, tout simplement. C'est pour que... chiant. Et voilà. Faut qu'on leur bouffe leur capital éventuellement. Et du coup, bah, j'espère que ça va aller vite. Non, si tu dégages Ferrari, on sera bloqué. On sera bloqué. Bon, Malrons. C'est une des guerres. Ah, voilà. T'as fait une... T'as pratiquement rien eu du français, en fait. Bah, non. Il y a eu trois provinces. C'est ce que je voulais, en fait, surtout. Putain, la vache, pour le Milanais, ça prend 2 mois à faire le siège de, d'un de mes forts. Enfin, une phase, hein, juste une phase, 2 mois. Bah, nous, ça va, c'est juste 1 mois. Mais eux, les Milanais, c'est 2 mois. On a, le siège de Milan est fait. Fais la paix. Fais la paix. Imagine, j'aurais pris les idées défensives. Désolé, je m'épose. Alors, est-ce que je peux là ? Ah, il veut pas. Non, sérieux, il veut pas. Pourquoi ? Il veut pas faire la paix. Ça demande trop de sport de guerre. Encore. Ok, alors... Ok, là, je t'ai filé la province de, en question. Ah, ok. Ils veulent ? Attends, je vais leur demander vite. Alors, si tu fais de la guerre, c'est lui. Ok, alors ils veulent pas parce que ça se traduirait par l'annexion totale de Bologne, ouais. Mais bon. Milan, ouais. Milan, tu peux faire une paix séparée avec Milan ou pas? Non, je peux pas sans avoir ma province. Du coup, bah, je vais péter la gueule de l'armée milanaise. Bah, trop tard, ils viennent de finir le siège. Ouais, non, mais tu pourrais jouer des sièges tout ça et les filer. Parce que je vais avoir ça, moi. En fait, quand même dans le lot. Parce que je peux l'avoir sans me taper le dos. Mais. Toi, enfin, plus... Mais tu fais chier. Mais tu sais que je peux pas subir cette guerre aussi longtemps que toi. Là, il va assiéger tout mon pays, je vais être en PLS pendant des années. Fais. Non mais t'as intérêt à me rembourser en rejoignant la guerre pour les Ottomans et en me subsidant mon économie de ouf. Ta flotte, est-ce que tu penses qu'elle est puissante pour bloquer les détroits de la mer de Marmare? Parce que si c'est le cas, on peut coque-bloquer l'armée ottomane qui restera bloquée dans le, dans le, dans le, dans l'autre partie du truc. Hein. Mais fais la paix avec Milan! Mais fais la paix avec Milan là! Cherche pas plus loin, mec!
fais la paix avec Milon ou je fais la paix blanche? C'est bon. Ah mais non, mais c'est encore Bologne qui détient ça. Bon bah putain. Sub, pour être dans le positif, il me faudrait idéalement un, voire deux, si t'es généreux. Ouais. C'est magnifique. Oh oui. Oh oui. Je suis dans le bien là. Ouais, je t'ai donné quelques bouquins, ça devrait faire la terre. Je vais recruter mon armée du coup, si ça fait que Mais je t'enverrai un petit peu. D'ailleurs, le Provençal, t'as plus les soutiens des machins là. De qui? T'as plus le soutien des électeurs. Attends. Ouais, ça en a plus. Je sais. Non, mais ils sont à moins 20, moins 22. Oh oui! Moula! C'est vrai, j'en fais des tueries. Y'a pas de soucis. Je suis ta banque. Je l'oublie pas. Est-ce que la banque peut faire la guerre? Alors, je suis en train de recruter et après la banque pourra éventuellement investir dans ce genre d'entreprise. Non, parce qu'il y a quand même un gros méchant qui a des corps sur ma gueule. Éventuellement, il passera d'abord par par Venise. Mais voilà quoi. Ou éventuellement même l'Ottoman est stupide et assez stupide pour attaquer la Hongrie. Comme ça, il y a l'Autriche qui vend la gueule. J'avoue que ça serait pas mal, ouais. Mais du coup, tu pourras ramener qui dans la guerre contre l'Ottoman? En guerre défensive, je pourrais ramener que la Hongrie. Ouais. Enfin, en guerre offensive, je ramènerai que la Hongrie. En guerre défensive, c'est la même chose, quoi. Il y a que la Hongrie. Ok. Bah, c'est bien, ça sera suffisant pour traquer l'Ottoman. Oui. Là, je vais remonter à 15 000 hommes. Dès que je... Putain, non, attends, il est texiste l'Ottoman. On va se calmer, il est texiste l'Ottoman, l'Hongrois est tex-5, t'es tex-5, on va se faire ouvrir. Ouais, c'est vrai, je suis... On va se faire ouvrir, on est en retard niveau technologiquement parlant. Ouais, par rapport à lui, ouais. Par rapport à tout ce qui est autour, c'est pas en retard, mais c'est vrai que l'Ottoman, par contre... Putain, il a déclaré la guerre à Épruche, l'Ottoman. Ah ouais? Ouais. Vraiment, vraiment, l'Ottoman, il veut m'isoler, là. Je crois qu'il veut me faire passer un message, c'était le suivant. Ouais, ouais, à mon avis, c'est plus du cul, ça. C'est plus clairement que du cul. Ouais, je vais ramener le fort, la vite fait. Oui, non, attends, non, passe pas chez moi l'Ottoman. Non, tu vas prendre tout ton temps là pour faire le siège d'Ypres et ça sera tout. J'espère qu'au moins nos armées ensemble les dissuaderaient éventuellement. Parce que bon, 15 000 hommes, ça va, ça dissuade un peu, j'espère. Bah, en somme, c'est pour ça qu'il m'a pas encore attaqué l'Ottoman. Ouais, je pense. Parce que combiné à la Hongrie plus toi, on est en supériorité numérique. C'est pour ça. Donc, ça devrait passer.
Tu peux augmenter un peu tes subsides, j'ai recruté plus d'hommes, du coup je perds plus d'argent. Alors attends, voyons voir. Comment je peux modifier? Ben, je vais annuler et je vais tous les reverser du coup. Ok. Pour que ça puisse marcher quoi. Bon, apparemment je ne peux pas modifier comme ça pendant les subsides quoi. Pas grave. Ouais, puis je vais légitimer les provinces. Quoi, jusqu'à la fin de la partie, je gagne un legacy de Scanumber qui me donne plus 1 de skill militaire pour tous les monarques. Eh bien. Sympathique. Alors, j'ai légèrement augmenté mes subsides. Pour l'instant, je pourrais pas plus. Oh oui! Elki qui n'a pas. En fait, qui est un banquier mais qui n'a pas le sens des affaires. Bah, D'ailleurs, Malrance, la thune, s'il te plaît. La thune. Bah, attends, je t'ai aidé, hein. Combien? 200. Attends-moi. D'accord, j'attendrai, mais. Non, je sens quand même que. C'est un petit empire qui se passe en Europe de l'Ouest, là, quand même. Ça sent la tension. Ouais, c'est un peu tendu quand même. Hein. Et puis c'est vrai que dans un sens, Verlus t'a un peu sauvé la mise, hein, avant des. Tu peux partager le savoir avec moi ou pas? Je vais partager les connaissances? Ouais. Ouais, là exactement, en fait, tu me payes 0, enfin, je te paye 0,43 pour les connaissances, mais c'est avec ton argent en fait. C'est 300 en plus, c'est ça. Oh mon dieu. La banque de répétants est assurée. Mon seul rival possible, c'est Bosnie et le Byzance. Voilà, là il y a les 4 électeurs, c'est très bien. Hey, les distanciers Byzance. Ah ouais, ils ont encore ces quelques provinces aussi. Ouais. C'est vrai qu'ils étaient mis par un moment, parce que vu comment le comment il a bloqué comme un porc là. Bon, ça y est, je suis à 15 000 maintenant, pas des heures, ouais. Parfait. Oh, ma prochaine objectif, ça sera un nouveau blob en Italie, puis un arrondissement de la flotte. Attends, en vrai, si on peut gangbang la flotte, enfin bloquer l'armée ottomane entre le continent et l'autre continent, il y a moyen qu'on gagne. Ou même rester bloqué, ou même bloquer juste ces 12 000 hommes là, sur l'île de merde là, genre à Céphalonia là. Ah non, merde, ils les évacuent. Les évacuent. C'est vrai que ça aurait été parfait, mais je pense pas qu'on ait assez de délire à faire l'instant. Ouais, mais même je pense pas qu'il puisse. Qu'il va les laisser ici, regarde. Ah, quoique, non, attends, il renvoie des hommes. Il renvoie des hommes dans la province. Bah ouais, il est trop con. C'est pas grave, je vais faire. T'as des galères, de toute façon, ça coûtera pas très cher en attendant. Mais bon, ouais, par contre, il faudra que l'on. Que l'on texte aussi jusqu'à la Texas. Normalement, je devrais pouvoir y arriver quand même là. Ouais, je devrais y arriver pendant pas trop longtemps. Surtout que comme j'ai pas de problème de leur site,
L'avantage de jouer italien. Par contre, t'inquiète, je pense que la prochaine guerre que je ferai en Italie, j'aurai clairement plus besoin de toi. Parce que là, j'estompe par rapport à ce qu'il y a en face là. Bon, j'en doute pas. Et j'ai pas fait d'emprunt à Berlioz. Hein. Ouais, je sais, mais. On va dire qu'il y avait des clients, apparemment. C'est trop bien d'emprunt. T'as comment d'emprunt pour savoir Là, plus que 3, je crois. Vous en avez combien, c'est ça là 6 ou 7. Ouais, quand même, putain. 200 balles. Ah ouais. Ah ouais, ça fait cher. En effet, je comprends pourquoi il ne peut pas se payer. Je peux faire une copulée, bande de fous. Si tu peux pas présenter un héritier sinon? Si, mais ils ont 42 ans donc ça devrait aller. Pour ouais, c'est là qu'ils tombent pas dans les escaliers malheureusement. Ouais, mais la guerre de succession Castille-Autriche. Ouais, ça va avoir des répercussions sévères sur l'Europe, hein, parce que... Ah ben là, ça serait carrément... ça serait décidé de nouvelle Europe, en fait, hein, littéralement. Oh bah parfait. Oh! Oh putain, le général de centre d'attraction que j'ai eu... Ouais non, en fait, il est pas si terrible que ça. Il a 4 en choc, par contre en siège, il est vraiment pourri, il a que 1. Ouais. Ah, j'ai envie de prendre ma doctrine, mais je vais pas le faire. Je vais passer la tête avant quand même, faut peut-être pas déconner. Ouais, la Texas niveau militaire est nécessaire contre les Ottomans. Ouais. J'attends qu'une chose, c'est que mon roi crève. C'est nécessaire. Ah oui. C'est nécessaire. Ouais. Ah oui. C'est vraiment nécessaire. Oui. Entre pleutre et 0-2-1, alors que l'héritier il est quoi, combien déjà? 4 ou 5, ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Et j'avoue que là. Il vaut mieux pas de cette guerre pour l'instant, parce que vu la gueule du machin. Je renvoie la question. Ouais, quand même, le Castille leur fera canon. D'ailleurs, quand on aura une relation d'hypo en plus, hein, on pourra faire. Oui, bah alors j'en utilise deux de trop, donc on va se calmer. Bah oui, mais titre impérial à la clé. Ça, c'est ça. Ah, la Bourgogne, t'essayes de bouffer. Le renforcement des troupes albanaises qui coûte plus du double que le revenu albanais. Alors là, tu gagnes combien normalement en plus? Normalement, de bas, je gagne que 3, voire 2 et demi. Ah ouais, d'accord. Donc tu viens de doubler plus ou moins mon revenu avec juste ça. Ah oui, ouais, d'accord. Je comprends pour ça que c'est subisible et c'est nécessaire. Je comprends pourquoi mon vassal albanais en tant que russe était à chier. Bah oui, l'Albanie, elle gagne pas beaucoup d'argent, regarde tout le terrain non, que j'ai. Mais mec, elle avait tous les Balkans. Je lui avais refilé tous les Balkans. Ah, les Ottomans mènent une grosse guerre à l'Est. Ouais, si tu me rappelles bien, du coup, on peut, hein. Ils sont contre Kandahar et Sarouan. Ouais, grande guerre, ils les écrasent, hein. Ouais, mais... Peut-être le genre de diversion qu'on a besoin, en fait, genre tout à la con, quoi.
Moi, ça m'a l'air tendu, votre histoire. Ouais, c'est vrai que ouais. Ça sera peut-être pas assez diversion quand même. Bah, je vais passer Texis en vrai et on leur parlera après. Ouais, bah, la même, faut d'abord que je passe Texis, après on leur parle. Ouais, voilà. Après, on pourra causer avec les étonnants en mode bonjour. Alors, ça, c'est un ami, hein. Ouais, il y a aussi les Vénitiens qu'on aurait besoin d'éclater. Oh, la Venise se fait éclater par la Bourgogne. Ah oui, putain, la vache. Non, mais la Venise est dans le nord, en fait. Ah ouais... Attends, je vais voir si je peux améliorer mes relations avec la Bourgogne pour qu'elle puisse rétrocéder des territoires à moi. Bonjour la Bourgogne. On est les meilleurs amis. Ah putain. Ouais, j'avais une Venise, par contre, niveau de la station, elle va prendre cher. Ouais. Je pourrais lui redéclarer la guerre, là, à Venise. Un round 2, ça te tente ou pas? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vois qu'elle commence à perdre beaucoup d'hommes, en plus. Apparemment, contre le Bourguignon. Ouais. Elle a combien d'hommes, là, la Venise? 13 000. Attends. Et si tu veux, je peux appeler le pape. 12 000 guerre, contre Venise. Ouais, elle avait 13 000. Ah. Et je peux appeler le pape avec vous, la 13 minimum, si tu veux. Donc on serait assez nombreux. Quoi. Est-ce que la Hongrie veut... Oui, la Hongrie veut bien. Allez. Au pire... Oh, attends, quand même, il y a les chevaliers, la Savoie veut pas venir. Il y a plein d'états de merde. Le round 2 peut être faisable, il y a la Hongrie qui voudra revenir pour sa revengeance. Et si tu veux, on peut faire une guerre séparée, toi, Hongrie, moi, avec le pape. Et ça passe large. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je viens de passer Texas là. Après, ça va peut-être attendre que la Bourgogne la dégage parce que bon. Ouais, parce que c'est un peu compliqué là actuellement. Ouais, parce que le problème, en fait, c'est que le plus petit, du coup. Ouais. Par contre, dès que la guerre est finie, on peut rentrer dedans. C'est un peu plus Maintenant, la Hongrie a 30 000 hommes. Elle a stonk, la Hongrie, là. Elle a 30 000 hommes, maintenant. Ah ouais, bah ça passe vraiment large. Ça déclare la guerre à l'Union. J'irai reprendre mes corps, là. J'ai fait un casus belli de reconquête. Ouais, non, mais t'as raison. Ah, c'est bon, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix, ouais. Ok, tu veux rentrer dedans là? Ouais, reconquête du raseau. Ok, go, on y va. T'appelles le pape dans ta guerre? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, à peine ils ont fini leur guerre, ils ont pas eu le temps de recouvrir leur guerre. Là, le round 2, ils vont prendre cher. Ouais, bah moi, en plus, j'ai senti. Ah ouais, il y a un truc qui est dans tes corps. Ouais, il y a Ravel qui est à côté. Ah ouais. Bah, je sais pas si je pourrais l'apprendre dans cette guerre, parce que ça me paraît un peu compliqué avec mon expérience racine. Ouais, mais le plus important, c'est de démanteler Venise. Genre, tu lui fais relâcher des trucs à la con. Comme ça, même si... Et tu fais briser des alliances aussi. Comme ça, même si tu prends rien à cette guerre, elle pourra pas récupérer la prochaine. Tu lui libères la Dalmatie déjà. J'avoue. Dalmatie, enfin, des trucs dans le sud. Ouais, non, la Hongrie, je suis moi en fait. Bon, du coup, on va en prendre siège. Mais ça va mettre du temps. Hein, de siège, ça. Parce qu'il y a Mantoue. Il y a Mantoue qui a un De quoi là, casser la France? Oui, oui, on l'a cassé. C'est bien. Ah bah là, oui, enfin, guerre des paysans. Hein. Et bah tu sais quoi, je pourrais prendre Milan, Ravel, parce que bah dans la coalition, il n'y aura jamais assez de trucs pour me faire peur. Bah yes. Oh non, les Montanais, non. Les Montionnais, oh non. Oh non, ils m'ont égaré. C'est bon, il y a les Hongrois à côté.
moi ça arrive heureusement parce que putain. Ah, il y a même le croate sur ce vrai. J'ai oublié cela. Alors on est en train de siéger Mantoue. Hein. Enfin, dès que Mantoue dégage, on pourra passer là. Mais du coup, en attendant, le skill. Ouais, maintenant je mets un défensive edict dans ma capitale. Comme ça, les forts prendront 2 mois avant d'être pris. Oh merde. Ah, mais là, à mon avis, Milan est morte. Hein. Il resterait plus que l'Autriche. Avec l'armée guerre derrière, et c'est fini. Ah oui, d'accord, Mantoue vous bloque en fait. C'est le casse-merde de votre région, quoi. En fait, vous allez fuir, vous allez pas faire le siège juste à côté de chez eux, vous allez fuir. La Hongrie, oh putain, mais la Hongrie avec ses 30 000 hommes, je crois qu'elle veut taper du Vénitien dans leur capitale. Je crois que je vais commander un assassinat sur le mec, sur l'empereur, hein, parce que là c'est bon. Quoi. Putain, mais ces enculés, ils ont tellement d'hommes au niveau de ma capitale. Non, parce qu'il est trop vieux. 51 ans, c'est l'heure de mourir, 54. Ouais, c'est l'heure de tomber dans les escaliers, quoi. Oui, voilà, exactement. Bon, les Hongrois, vous branlez quoi en fait depuis tout à l'heure? Ils tournent en rond là entre l'Autriche, le Salzbourg, Venise, mais ils font rien. Ouais, bah surtout que tant que le sort est pas tombé, moi je pourrais pas se passer pour aider. Parce que t'en parles largement. Bah attends, t'as un général de 1 siège. Va aider le pape. T'as un général qui peut faire avancer le siège plus vite. Mais va y avoir trop de monde au même endroit. Oui, mais apporte 1000 hommes, juste apporte 1000 hommes sur la province. Apporte 1000 hommes sur la province avec ton général et ça ira plus vite. Oh là là, je suis en guerre. Je mets le. Le roi en commandant. Terrible. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose sur le champ de bataille. Ok, vas-y, je vais l'aider avec mon général. Voilà, c'est bon. Go, 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 go! Oh, je peux faire la paix avec Mantoue! Oui, Mantoue! Plaf! Mantoue est gerté. Allez hop, c'est déjà ça. Vas-y, vas-y, parfait. Là, j'assiège Salzbourg. T'as la vache, oh merde. Non, ça continue. Il y avait que 3000 hommes sur la capitale, ils étaient passés à 2000 à l'espace d'un instant, mes hommes ont pu souffler, mais non, ça a repris quasiment aussitôt quoi. Mais là, en gros, vous branlez quoi là? Si bon, vous essayez de bouger votre cul à Venise, vous voulez pas aider chez moi, genre je fais ultra siège, on n'a pas l'objectif de guerre, vous voulez pas venir, genre, venir m'aider? Non, je me démerde, très bien. Là, je suis en train de siège par deuxième fois. Mais je vois bien ça. Et là, MDR, les Ottomans veulent me taper dessus. Yes! Ah oui, mais non, mais la Hongrie, ils ont 15 000 hommes qui courent partout, et ils ont 15 000 hommes qui font un siège de Treviso, là. Ouais, la Hongrie, là, elle est morte mentalement, là, elle fait un arrêt mental. Oui, oui. Je perds déjà de l'argent là, j'en perds quasiment 1,5. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, bah si tu veux, t'as besoin d'argent là, tout de suite là? Non, là c'est bon. Et envoie tes 1000 hommes sur le siège du Hongrois. Parce que là, les 3000 hommes n'avancent pas là. Ah, tu veux que j'envoie tout? Ah ouais, attends, il y a combien? Ah oui, putain, j'avais pas vu, je croyais qu'il y avait tout. Son armée, non, c'est pas du tout. Ah ouais, mais il est parti en Hongrie, il est trop débile. Ah, le pape, il est parti en Hongrie. C'est pour ça qu'il est parti en Hongrie, le pape. Mais c'est déjà tardé, nos alliés sont entre deux. Putain, on est d'accord, ils sont cons. Ah mais oui, mais là,
Mais je comprends pas pourquoi il part en riz alors qu'il a largement pas en plus les capacités de batailler le monde. Là en plus c'est amusant, là les Vénitiens et Naxos là ils sont bloqués sur mes deux forts. Ça, tu parles, j'avoue, hein. À plus 105% de défense. Qui entre la Castille et l'Angleterre va crever en premier? Ah, je peux virer Augsbourg. Augsbourg. Alors c'est simple. Je veux ça. Je veux ça. Et je veux. Non, ça va. Par contre, la question devrait peut-être le faire. J'ai fait la paix avec Augsbourg. Il fait la paix avec Augsbourg. J'ai fait une nouvelle crotte dans le Saint-Empire. Ah, j'ai fait une seconde prog. J'ai fait une autre crotte dans le Saint-Empire. Je fais la paix avec Salzbourg, Alki. Voilà. Et j'ai posé ma nouvelle crotte. Je pose mes crottes. Si tu continues, je vais aller poser mes crottes, mais chez toi, tu vas voir. Ah, mes clics de mort, fait chier. C'est bon, ils ont abandonné les sièges chez moi. On va pouvoir reprendre les... Oh, je gagne de l'argent maintenant. J'ai eu un event, j'ai mis skip. Ah, je... il était encore pire que lui. Ah là là, on a un bon score de guerre là. Ah, la Vendetta, elle s'est mieux passée. Ouais. Tellement. Ah, c'est la fin de la régence. Ah non. Ah non, bah c'est le début de la régence parce que la reine est morte. Pendant ce temps, tu as l'Angleterre et la Castille qui ont toujours pas d'arrêté. Moi, je rembourse plus en plus, surtout. Ah, les hospitaliers. Bon. Ah, ils l'ont pris, leur héritier. Un peu épouri, mais toujours ça. Ah, et en plus, c'est un moyen. Chier. Alors, j'ai dit, ça pue que 3000 dans l'arbre. J'avais mis par abonnés dedans. Contenterait pas. Non, non, c'est bon, il a 23 ans. C'est tout ce que la paix. Wolfsburg. Allez, ça dégage, Wolfsburg. Ok, le siège est tombé en face. Allez. Ah ouais, j'en veux la
Castive, putain. Mais Castive, putain, Charados, bordel. Hein, tu dors sur le trône d'Espagne. Oh putain. Tu peux leur déclarer guerre pour l'Union. Non, non. Oh. Et du coup, t'as la Castille, t'as plus l'Union avec la Rayon. Attends, c'est bizarre, pourquoi ils ont pour héritier Ferrand de Strama, les Aragonais? Ah oui, j'avoue. Bah, je sais pas. Oh, attends, mais l'héritier Aragonais, c'est l'héritier de... Ah non, attends, ils ont juste le même nom. L'héritier de Naples, et l'héritier de d'Aragon. Ouais, c'est le problème. Ils ont le même nom, mais pas le même âge. Ouais, puis c'est ça va. Ah, ah oui, non. Ah, on les a bien baisés, ces Vénitiens. On va continuer de les mettre à terre, histoire d'être sûr qu'ils se relèvent plus jamais. Ah, mais tu sais que ce qui est bien en plus, c'est que si jamais ils s'en relèvent pas, ça me retirera de l'épine du pied en Italie. Hein. Quand même, ouais. Ok, bah y'a trop que t'as dégagé. Hop. Y'a-t-il encore un sujet? Y'a Brégence. Et Brégence. Bonjour Brégence, j'arrive. Attends, j'ai zéro légitimité avec mon roi actuel. Tiens, une première partie, Berlioz. Ah non, c'est le conseil d'urgence, c'est le conseil d'urgence, je suis con. Ah, le pape qui s'occupe de tes rebelles. Ouais, j'avoue, putain, elle est énorme, le pape. On va dire que ça qui est fait. Merci, bien. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. T'as dit ça ou pas? Je sais pas. Mmh. Non, non, il y a 21. On a agi pour les éditions. À quoi c'est que les transports? De monter à l'assaut de Vénitie. Ah, après, si tu veux, on peut monter sur la flotte de Vénitie. Il n'y a pas assez de galère en face par rapport à moi. Où? À ta capitale? Ouais, ma capitale. Apparemment, il n'y a pas assez de monde en face. Ouais, mais regarde où se trouve sa flotte de galère. Au Vénitien. À l'instant où je sors de mon port, elle va vouloir me déglinguer. Regarde. Là, je sors de mon port. Regarde, elle sort une... Voilà, elle sort. Elle va me déglinguer le cul. Ouais, j'ai vu ça. Bah, après, Venise, vous avez pas besoin de faire... Ouais, si. Y a un bateau de Vénitien qui part en l'air. Voilà. Ah merde, il est encore besoin. Putain, les Hongrois sont partis jusqu'aux hospitaliers pour les siéger l'un de leurs forts. Ah d'accord, il passe à travers l'ottoman en fait. Ouais, parce que après tu récupères des... Oh putain, Doc, nice. Un petit coup de bluff, peut-être. Oui. Ah non, putain, j'ai failli passer. Un joli, là. Non, on continue la guerre, je veux pas avoir mes trucs, et l'Hongrois veut pas être content si... Enfin, j'ai pas assez de trucs pour faire la paix, quoi, gros. Ça en fait beaucoup. Ça donne envie, hein. Je dis dès que je peux faire la paix, hein, parce que je ouais. Par rapport à quelques ducats, moi je dis pas bon. Hein. Bah, je te comprends, mec. Alors, c'est bien, je suis Texas en rapport à l'unité. En du coup, je pense.
Un siège de Corfu. Bien, merci l'Angleterre. Je suis un homme de parole. Je vois, je vois. C'est à votre honneur. Ok, vas-y, tu veux faire la paix avec eux. Tu veux faire la paix avec eux. On a besoin de score de guerre pour les mettre en PLS. Eric, il est sociable. Casse-toi. Casse-toi. Crève. Allez, justement, c'est une grande puissance maintenant. Allez hop. Ah, j'ai fait les gonds au Danemark. Yes. Pardon. Ouais. Pourquoi ils ont fait la paix avec le Dan? Oh, va falloir que je comprenne ce qui s'est passé avec l'Écosse, moi. Le Danemark qui a attaqué l'Écosse. L'Albanie est réunie! Ouais, j'avoue que là, ça fait plaisir à faire là-bas. Et puis moi, bah, j'ai réussi à récupérer les petites provinces. Hein. Bon, je lise clairement les droits d'air, là, maintenant. Ouais. Le prochain, c'est les Ottomans. J'avoue. Les fameux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces ducs? Ah, c'est magnifique, putain. Ah, la Hongrie voudrait péter son alliance. Pourquoi? 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 Zéro. C'est à zéro pour garder l'alliance. Ah, ouais, oui, non. Bah, oui, non. C'est normal, oui, non. Je montre ça, oui. Je veux rejoindre les Figaro offensives, la Hongrie. Oui. Et maintenant, je fais plus un ducat. Je suis dans le positif! Ah, non, surtout pas, c'est tes subsides qui me mettent dans le positif. Ouais. Oh, l'Albanie m'a influencé. Oh ouais. La Hongrie m'a influencé. Oh ouais, tu m'as encore influencé. Ah, par contre, c'est pas cumulable. Ah merde. Ah, c'est con. Mais il a gagné de l'argent. Non. Non, je crois pas, je suis même pas sûr de gagner de l'argent. Ah. Mais c'est pas cumulable. Dommage. C'est influencé, c'est marqué influence par la Hongrie et la... Angleterre. Et l'Angleterre, ouais. Ah, mais c'est con, au diplomatique, ça marche en plus. Le plus sain. Est-ce qu'un diplôme? Bah apparemment oui. Ah, on a été prévenu par Venise de ne pas aller en guerre. Le pape a pas dit. C'est moi qui lui ai donné parce que j'avais envie. J'avais envie de voir ce qu'il va en faire, même si je le défonce. Putain, l'Ottoman il est tech 7! Mais l'Ottoman c'est une usine à gaz. Mec, je savais pas qu'il a même mettre 2. Hein. bon, moi je suis peut-être que la 6, hein, du coup, extrêmement.
Oui, et puis il est mort pour moi, Lernos. Ça me rend tout pourri, hein. Non, c'est pour ça que je suis en retard. En effet. Pense ton héritier. Ah non, ça va, ton héritier est pas trop vieux encore. Ah oui, mais 38 ans, il va pas crever de si tôt. Hein. Je sais pas, j'ai essayé de le mettre. De le mettre en général, mais bon. Ah oui, tu l'as fait entraîner, Pierre ? Bah oui. C'est bon, l'héritier, c'est un peu du c'est bon. Ah merde, un prétendant. Ah la bon. Duresse. Le pape, t'as exclu. Oui, oui, c'est un peu de l'événement. Ah oui. Le fameux. Du coup, bah. Attends, j'ai âpre comme, comme trait. Est-ce que, du coup, ça signifie que ça me coûte combien, là, les mercenaires ? Non, c'est le maintien de mercenaires, le recrutement. Justement, ça coûte 28 centimes. Attends, non. Alors, attends. Déjà, je m'occupe des rebelles. Oh merde. Une alliance retirée avec le pape pour une alliance avec le fiche. Oui. Et je ne disais plus. Vas-y. Je disais que je ne connais plus les effets de soumission à l'empereur du coup. J'ai réussi à foutre un Devalois sur le trône du Palatinat. Ça, messieurs dames, c'est... Enfin, messieurs, plutôt. C'est l'héritier, c'est pas encore le mec dessus. Ça sent le petit rapprochement. MP. La tradition républicaine est énormément à cause de ce putain de 2016. Mais bon, au moins je ne serai plus une république. Garde les médicaments jusqu'à la fin. Bah, et puis de toute façon, j'ai pas envie de devenir une théocratie, tu vois. Oh. Ah, j'ai fait un grand plan d'arrondissement de la flotte. Tu veux rien, rien avec l'Autriche, évidemment. Ah, les bonnes pour elles font Pologne. Mais du coup, moi je dis c'est rentable, hein. Abandonner le pape pour l'Autriche, franchement, voilà. Putain, mais c'est quoi ces prétendants qui font autant de dégâts au moral ? Ouais, parce que j'ai fait une sortie avec ma garnison locale, mais sinon, sans ça, ils m'auraient démonté. Ouais, j'ai vu ça. Oui, je suis Texas. Bah ouais. J'ai pas le choix en même temps. On a vu que j'ai des têtes en avance, c'est reparti pour du...
Ah oui, c'est parti. Ah, ça coûte tellement pas cher de tout. Plus tard, j'ai Florence à 33 belles maintenant. Et j'ai Pise à 27. C'est sympathique. Putain, les Karamani, elle est en retard, hein. Il me faut quoi pour les taliner là? Ok. Les Castillans sont en Tunis. D'ailleurs, Gênes, ça te déclare la guerre. Ouais. Ah, je gagne pas assez de tubes là, il faut augmenter la tube là. Mais je gagne 5 butins, c'est pas assez bordel. Ça d'ailleurs, je peux faire ce petit petit de actuellement. T'as besoin que je te la remette ou pas? Ah oui, je fais plus 0,1 de bénéfice. Ah non, non, vraiment, ouais, si. Si, il vient de disparaître. Ouais. Tu veux que je te donne combien actuellement? 2 ducats. 2 ducats? Non. Allez, c'est parti. Bonjour, la perfusion est arrivée. Ah, normalement, j'ai été subsidé. Ouais. 2 ducats et puis pas aussi. En plus, je vais avoir, j'ai 75% d'entretien en moins sur les mercs. Ça c'est pas mal. Donc, contre l'Ottoman, ça va pas mal aider. Surtout qu'en plus, que là, je suis à 800 de manpower. Ah oui. C'est pas énorme. Ouais. Moi, je suis à 8000, ça va. La belle petite Florence en plein milieu de l'Ukraine. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, le yacht il coûte que 24 à dev. Ah ouais. Et y'a même pas le truc pour le. Pour les moins 10 de dev en plus. C'est peut-être pas trop de trucs défensifs, je vais quand même prendre de trucs de quantité. Déjà. Ça va être derrière pour dépenser de bon pour l'instant. Bah, qualité économique pour dev, c'est bien. Ouais, bon. Après, quantité, je préfère quand même prendre parce que je sais que je vais jamais avoir un MP de malade. Ah oui, quantité. Oui, quantité de moyenne, je suppose. Ouais. Déco, ouais. Les hommes n'étant pas éternels, je ne crois pas. Quand est-ce que l'empereur crève? Hein? Il est toujours pas mort, Marion. Non. Ah ouais, non, mais il a quel âge, hein? 61 ans. Après, dites-moi que j'ai une reine d'Angleterre qui a duré jusqu'à 74 ans dans une de mes parties. Oui, 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 non, non, mais je sais ce que ça fait. Mais c'est juste que, voilà. Bourgogne se prépare à attaquer
France. Serait-ce pas le moment d'attaquer? Hey, c'est fini. Les Médicis sont de retour au pouvoir, même si ils ont un nom pourri. Non, mais c'est toujours utile d'avoir un tuteur. Mais laissez-les plus tard. Reconquête, allez, voyons voir ce que ça va donner. Ouais, ça sera drôle que tu tombes en une heure année par jour, avec de la chance. Ça peut tout à fait arriver. Si tu en mets un pro qui meurt subitement d'une crise cardiaque, tu vois. Il faut faire arriver mort hein, quand même par ici, excusez-moi. On met dans les escaliers, c'est devenu trop classique maintenant. Parler de crise cardiaque, c'est désormais. Un cancer. C'est pas long. Pardon. Faut pas faire l'intersection. Ouais, ouais, ouais. GG. Oh. Voilà. Je peux m'arrêter là. C'est bon. C'est bon. J'ai. Du coup. L'Autriche, t'es mignonne, mais comme t'es plus empereur, bah, tu n'es plus tout qu'une utilité en fait. Voilà. Ah, MDR, il y a, Augsbourg, je crois, qui a converti son voisin. Mais ça, par contre, c'est indigne. En plus, les deux sont des états chiants pour toi. Les trois plutôt même. Donc maintenant, je suis en train. C'est bien. C'est bien. Mais on va continuer de devenir un petit peu encore. Allez, je rajoute une guerre. Hein, où est-ce qu'on peut devenir Chouïa? Hein, où ça? Allez, York. Mmh. Ah oui, et j'ai du coup le rang politique d'Empire. Voilà. Berlioz, je pense. Berlioz, je rappelle. Berlioz, est-ce que je peux te parler d'Alliance? Pour éviter d'avoir la soumission pour moi. Ouais, mais j'ai pas la relation diplomatique, hein. Ouais. Combien? Pour combien? Oh non, mais je peux payer, t'es un fou, hein. Ok. Mais t'es un fou, je vais pas te payer. Pour ça, quand même, hein. Pas de problème. Quoi? Mon roi est déjà mort? Mais il avait que 18 ans! Il avait que 18 ans, le connard, il est déjà mort? Ah oui. Putain, il était trop bon! Description. Bah, du coup, j'ai plus le dirigeant âpre. Pense à enlever ton édit de défense d'effort. Oui, c'est vrai que je pourrais l'enlever et le rajouter plus tard. Ça va te coûter de la thune, surtout chez toi. Oui. Ah, c'est parfait, ça aussi. D'ailleurs, si jamais
avec un besoin, je vais demander tes subsides. Bonjour, tu dors en Bretagne. Ça, c'est absurde. Mon cher ami Albanais, est-ce que ça te dit de rejoindre une nouvelle guerre en Italie prochainement? Elle m'a plein bon, je pense. Ouais, ok. Il faudra qu'on pète de l'ottoman après. Ouais, il n'y a pas de soucis. Je vais juste regarder les coalitions et tout le bordel. Ouais, quoi que je vais attendre un peu. Oh, ouais, quand même, c'est peut-être un peu mieux là. Hein. Alors, les revenus fiscaux, c'est quoi? Bah, les impôts. Ouais, mais parce que. En fait, ça me dit que comme je suis en prêt, j'ai plus 24 de revenus fiscaux annuels. Bah, ah, les trucs nets là? Sur un an, bah, t'auras divisé tous les mois les 24 en revenus d'impôt. Mm-hmm. Ah oui, ah, oui c'est annuel. C'est annuel. Je vois dans les impôts, Philippe du Saint-Empire, plus 1,80. Bien. Bien, bien, bien. Du coup, oui, si tu veux partir chez l'Ottoman, j'ai 18 000 hommes de dispo. Non, pas encore tout de suite, j'ai pas la tech 7. J'ai pas la tech 7. Ok. Est-ce que j'en ai pas? Ah, ça fait chier dans la mur. Avec l'autriche, du coup, ouais. C'est bien, ouais. Ah, c'est bien, mais c'est la soumission. Là, c'est moins bien, d'un coup. Voilà. Allez, ma prochaine fois, ça sera une frais de commerce. Là. Elle a en Hongrie une grande puissance. Ah ouais. Putain. Je veux dire que la Hongrie, sur un temps, a failli mourir à cause de l'eau. J'avoue. C'est surtout les Hongiski, là, parce que. C'est la merde en Pologne. De quoi? Ah non. Ah putain, il a changé de. Il a changé. Il a changé de dynastie. Mais oui. Ok, bah je vais être le dernier à passer Tech 7 là. Il est en 14, je présente Navarre. Vestige. Putain, le roi de Navarre! Waouh! Ah, c'est très. Attends, il a quoi? Ah oui! Ah oui, conquérant, juste et strict. Ah oui! Ah oui, mais bon, il est pas très long, là. Ouais! Ouais, puis par ça, ça me rappelle le roi que j'avais une fois la dernière fois. Putain, la vache, le roi hongrois, il est fertile. Il a un harem, lui. Ah oui, carrément. Mais genre pour te dire, moi quand j'avais joué, je sais plus quel pays l'autre fois, c'était juste aberrant. J'avais un roi stellaire, et juste après j'avais un roi de vingtaine morale de 15%, et des trucs comme ça. Mais genre ce roi a deux rois différents, deux trois rois quoi. Eh ben. Ah par contre, le moins 15% de morale, tu dois pleurer, Berlioz. Je m'en fous, je fais pas la guerre, donc c'est pas...
Pas de problème. Non mais j'attends qu'il crève hein. Non, je fais rien, je construis. C'est tout. C'est emmerdant. Ah mais bientôt j'aurai ça, bon allez. On va lâcher l'Autriche. Ah oui, réputation améliorée, gloire. Mon roi il est pas... Ah non, c'était l'ancien. J'avais un rang moins 30% d'expansion facile. Non, c'est vrai que d'ailleurs si je veux je peux même intégrer des provinces au Saint-Empire. Ouais. Je sais pas en vrai si je vais le faire, je pense. Ok, je suis à quelques mois de la Tech 7. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, rien. On va attendre que le prestige y remonte. Hein. T'as enfin un héritier, c'est ça? Non, ça je l'ai depuis longtemps celui-là. Moins d'inflation. Non, d'autres trucs intéressants. Ouais, rival déclaré. Ok, prépare-toi à la guerre, j'ai la tech 7. Moi je suis pas tech 7, mais. Apporte tes armées chez moi. Okay. Ah si, je le vois. Je vois très bien de ce que tu veux parler, Malon. Ouais. J'arrive. Ah oui, attends, je vais seulement maximiser. J'ai dit à la Hongrie de se préparer à la guerre là. Normalement, elle va devoir nous rejoindre dans les 12 prochains mois. Oh, non, j'ai un conseil de régence. Oh non, je dégoûte. J'ai accumulé des points de faveur pour rien. Non. Putain, non la régence. Non bah désolé. Oh putain, mon frère. Ouais, pour rattraper l'an. Bon bah du coup je vais être militaire, hein. Je redemanderai pas, tu pourras déclarer. Oh putain, ça dégoûte. Oh non. Tout mais était bon, si près. Non, tu sais, en plus je suis en train de bouger, mais ça. Ah, ils étaient presque à faire l'Irlande, les pauvres petits. C'est raté. Tristesse. Alors, c'est très bien. Mais on peut en faire tous des bateaux. Ça va, j'ai le temps en capacité de gouvernance. Je suis à 35 sur 450. Tranquille. À 35 sur 450, putain la vache. C'est normal, la majorité de ses possessions sont dans sa capitale, dans son état capital. Donc ça coûte. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Les icônes, ils se passent au bout d'un moment ou pas? Ou c'est pour toujours? De quoi? Ouais, non, elle disparaît au bout de 20 ans, c'est ça, les icônes. Ouais. Pourquoi t'as mis laquelle? Non, c'est avant que je la prenne, justement. Je vais la prendre quand je serai en guerre, ouais, justement. C'est pas dégueu, en toi. C'est pas le conseil de régence du monde, de la pierre du monde. Quoi? J'ai hérité du Mecklembourg? Quoi, sérieux? Non, j'ai pas hérité du Mecklembourg, mais j'ai une province.
province au Mecklembourg. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien fait, je l'ai promis. J'ai demandé une rétrocession de territoire. Mais il te l'a redonné à toi. Ah ouais. Ouais, il te la redonne s'il n'y a pas de corps d'origine. Ah ouais. Oh, mais qu'est-ce que je fous? Et actuellement, la Provence n'est plus séparée en 3, mais en 4. Alors, passons aux choses. Là, l'Écosse. Bienvenue. Mais du coup, ça te dit de rejoindre une guerre. Bah, ok. De toute façon, je peux pas faire d'autres guerres, donc oui. C'est pour ça que je te demande, mais c'est bon. T'as encore 5 ans, hein. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je vais rassembler mes troupes et tout le bordel. Bonjour. Assujettissement. Ah, tu as eu les réserves militaires. C'est pour ça, non? Oui. Ah, du coup, je t'invite. Allez, j'attends encore quelques mois. Ton moral remonte à 100%. Bon, allez, on y va. Bah, et attends surtout que mes hommes arrivent, quoi. Oui, oui, c'est vrai aussi. Je me dis quand il ira tout le monde. Alors, je vais te dire ce qu'on va taper, si tu veux savoir. Est-ce que Milan, Aix-la-Chapelle, Régence et Genève. Il y a beaucoup de temps de 24 millions en face. Bon, ça va, ça va le faire. Oui, ça me fait large. On va dire que ton aide m'aide à ne pas payer de mercenaires pour moi. Oui, à éviter que tu perdes une bataille à la con et qui te mène à ta défaite totale, quoi. Ouais, voilà. Après, avec des mercenaires, ça sera passé. Bon, ça fait chier de payer. Putain, mais maintenant, Renaissance Navar. Quel tirement. Et moi, ça m'a fait chier parce que les emprunts, j'aurais pu acheter en 3 secondes. Ouais, moi, j'ai dit, chef, arrêtez, on peut rentagner. Dans cette partie par rapport à la Provence et bah la fin trahi. Je t'ai pas trahi, je t'ai juste dit adieu. J'ai besoin d'un slot d'Alion. Oui. Bon, personne n'a vu. Vous avez pas la ref. Alors où est-ce que je vais vous envoyer vous? I need money. Subside. Il y a plus les subsides encore, hein. Il m'en faut encore plus. Non mais... Bon bah je vais évaluer, je vais la remettre de manière puissante. Elle dit voilà. Tu cèdes à toutes ses demandes. C'est bas. C'est mes mercenaires. Voilà. C'est les mercenaires. Faut savoir. Comparaison des revenus. Florence 15, Albanie 77, Provence 17 et moi 40. Bon, après, moi si je suis dans une autre cour, mais. C'est bon, mes armées sont là sinon. Faudra que tu récupères le Kosovo, hein. Le Kosovo? Bah ouais, pour la mine d'or. Ah oui, oui. Oui, oui, bah oui, tu m'étonnes, oui. Alors, t'es prêt pour la guerre? Ouais. Okay.
Est-ce que tu dégages l'armée libanaise? Qu'est-ce que tu veux faire dans mon champ? Dégage-la! Putain, mais je fais des jets à la con! Je fais des jets à la con! Ça va être en général deux étoiles et une supériorité numérique! Et bah putain! Ouais, c'est chaud quand même! Elles sont où les armées écossaises? J'espère que pour le minimum, chef. Parfait. Ça risque d'être assez rapide, je pense. Effectivement, je pense aussi. Allez, c'est parti. Je vais juste faire gaffe à populer les provinces qui m'intéressent, ouais, pour que ça peut m'étonner. Oh, tu dégoûtes. Pardon? Tu dégoûtes! Je suis indigné, absolument indigné. Le roi de province de pacotille, en plus, là. Regardez-le, là. Non, arrêtez de toucher les bateaux. D'ailleurs, le Serge, il regarde. Ah, le Serge, il s'en ressemble à ça. Il y a deux sites libres, non attends, elles sont plus orthodoxes. Ah non, c'est les provinces d'à côté. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Ouais. Je reviendrai peut-être ce soir. Mmh. Sinon, à bientôt. Malron sauvegarde. Ok. Dommage, j'avais encore bloqué en Italie. Non mais c'est bon, on va pouvoir mon extension agressive partout dans le monde. Moi ouais, je suis en prêt. Le pire c'est que je peux même pas occuper la capitale, sinon je me prends une coalition du monde entier en fait. A plus les gens, ciao. Plus. Oh, c'est encore ma merveilleuse, il a fait un climat. Orange, quoi. Ça me fait chier hein, d'avoir forêt de dire que la France. Ouais, j'avoue que j'ai bien senti que la farrière, quand même. Ouais. En plus, merveilleuse, mais c'est ça. Mal. Trop mal. En plus, merveilleuse, c'est à réclamer des ducats là. Non mais c'est vrai que sans ça putain, en plus ça me fait chier, il a pris Paris moi, je voulais prendre Paris pour la mission. Je vais te faire une seconde guerre pour la France là. Ouais bah là je pourrais en relancer une hein mais Ouais mais je pense que en fait Berlouz il va vouloir que je sois bloqué. Non, en vrai la Berlouz il va vouloir te bloquer à mort hein, sur la France. Bah arrête parce que là tu vois je voudrais bien récupérer la Bretagne en Union, je peux le faire. La Castille, bah on va attendre. J'attends que ça se fasse tout seul. Ouais. Berlioz, il va pas être content si tu prends la Bretagne en plus. Ah, mais je m'en fous, c'est des claims à moi aussi. Enfin. C'est la tension en Europe de l'Ouest. Et pendant ce temps, Florence. Si je voulais la Bretagne, il avait qu'un. En plus, elle est à dispo. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, moi, du moment. Je suis positif et là, allez, ça dégage. Moi, je dis du moment que Merleuse, il veut pas adapter comme la dernière fois et qu'il prend pas mes corps en Italie. Ah, bah, ça, à ce qu'il le fasse. Hein. Parce qu'en vrai, s'il le fait, par contre, on va pas être d'accord et je vais le dégager très vite. Hein. Il a beau être empereur, je vais le dégager. Attends, t'es allié à qui là? Bah mec, en gros, limite, comment ça t'appelle taper note hein. Bah ouais. Non, d'abord, l'ottoman. Non mais le truc, c'est que je peux même pas taper note parce que je tape le pape alors. Eh, chef, j'avais prévu que l'ottoman, il se tonxe vite, hein. Ouais.
Mais là, c'est là, il a reconstruit très vite en fait. L'Ottoman ? Ouais, 33 000. Attends. Ouais, 33 000. Il a 3 000 MP. Quand même, ça fait beaucoup. La Hongrie a pratiquement autant d'hommes que ça. Non, mais c'est que dans la merde, là, à mon avis. La Hongrie a... Ouais, c'est ça. En fait, couplé à nous trois, on a de quoi égaler l'Ottoman. Mais l'Ottoman, sinon... Ouais, bah, ouais, il nous ouvre. Falki, 21h, plan de bataille. Et 21h, plan de bataille. Ouais, on a la guerre chez Razmi. Ah, oui, bataille, d'accord. Décisive. Enfin, je vois, cette bataille. Bon, j'y vais aussi, du coup. Plus. Ouais, plus. Plus.